Plus moyen. Alors, c'est moyen de crever, ouais. Oh. C'est juste. Eh bien, salut tout le monde, vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live, nouvelle rediff, nouvelle vidéo. Nanani nanana. Pour. Ouais, nanani. Enfin, sur Dead by Daylight en survie avec Kylian. Bonjour. Willow. Ibrahim qui arrivera plus tard parce que là, il est en train d'être un bon texte. Ibrahim qui arrivera plus tard, voilà, parce qu'il doit passer l'aspirateur dans sa chambre. Ouais. Mauvais texte, c'était l'autre, celui à côté. Je t'ai trompé de texte là, ça c'est le texte quand tu seras mort là. Ouais, ta gauche, on t'a dit. T'imagines ou pas, genre le mec là, le journaliste qui peut trompe HRNK dans son texte. Mais non, ça c'est l'éclairage, ce sera d'horreur, t'es con ou quoi? Putain. Attends, montre. Comment ça, ça c'est le truc sonore? Le truc sonore, y'a pas de lumière, y'a juste ma tête. Oui, c'est pour économiser la lumière, y'a un problème. Une lumière rouge, faudrait que t'achètes une lumière rouge, un truc du genre, Enzo, faut aller derrière toi en mode de. Je peux pas acheter des LED et les installer dans ma cuisine, bordel. Mais allez, quoi, Enzo, pour des bails des lights, quoi. Fuck! C'est des grands malades. Pire, je prends ce batteur. LOL. D'ailleurs, celle que tu vois comme perso qui aime, elle s'obtient avec qui normalement? C'est gratos? Bah, c'est le DLC de Loni justement. Attends, j'ai un gros bug parce que je vois même pas. Les personnes qui sont là, je vois zéro. Oui. Ça a pas de sens. Pourquoi je vois zéro, frère? Ah bah, au moins, il a acheté un DLC, on va dire. Zéro, d'accord, merci. Merci Twitch. Non, j'ai acheté celui de Lonid. Lonid, d'accord. Je reviens. Ta gueule. En fait, j'ai acheté 3 DLC, je crois. Loni, Freddy et Nemesis. Parce que je me suis dit, d'abord j'ai pris un Nemesis comme que seul, avec des tueurs en e, mec. J'avoue. Loni, Freddy et Nemesis, frère. J'avoue. Loni, Freddy et Kennedy. C'est bizarre quand même, pourquoi tu as acheté des DLC que de personnes, de tueurs qui terminent par i. C'est le Mirazini. Mais putain, je cherchais une connerie en i à dire et il a trouvé yo. Il a dit quoi, Willow? Il a dit quoi, Willow? Il aime bien les DLC. J'ai dit à Kylian pourquoi il a pris que des DLC des tueurs qui se terminent par I. Et là, il y a Willow, il a fait par Kylian les Zizi. Oh. Ouais. Mais non, parce que je m'appelle Kiki, t'es con ou quoi? Et même j'avoue. J'avoue. Et que tu as vu mon Kiki. Bon, lancez avant que ça parte trop loin là. Ça va rien avant d'être mêlé, qu'il y a vraiment une pub qui. Mais il y a vraiment une pub, elle marche plus maintenant. Mais tu as vu mon Kiki? Oh, il est là mon Kiki! Et en fait, c'était une peluche appelée Kiki. Oh putain! Et le pire, c'est que c'est un mec. Oh putain, on l'a pas trouvé! C'est un vieux, enfin un vieux, en gros, c'est un adulte qui est entouré d'enfants. Il est en mode, est-ce que tu as vu mon Kiki? Oh, il est là mon Kiki! Ça part trop loin là. Ouais, un peu trop, trop loin. On est parti d'une blague à quelqu'un qui est ça un enfant quoi. C'est ça, plusieurs enfants, et en plus de ça, c'est une pub des années 80. Attends, mais en bas, ils font des travaux. J'ai pas envie de m'être prêt. Mais prêt, fils de. Pardon. Ah, regardez, on est quand même avec Brahim au final. Brahim, depuis quand tu prends des. Oh, j'ai mis. Quoi? Dans quoi? Mais Brahim, tu vas genre passer la spin maintenant, comme ça au moins tu viens encore plus vite avec nous. La blonde famille. On en parle que maintenant la blonde c'est moi et pas Brahim. Bah à la base, Brahim, soit il prend le Renoir, soit il prend une meuf. Blonde. Qui se fait tuer. En gros, il prend tous les persos qui se font déglinguer au début. En fait, Brahim, il aime ça en fait. C'est pour ça qu'il est maudit en fait. Arthur, t'as dit. Ta gueule! Alors, Daddy, tu vas te prendre la basse de. L'espèce de batte de baseball du docteur dans le cul, tu vas voulu fermer ta gueule, ok? Voilà, ça va être assez hard pour toi, mon pote. Il y a des clés de sueur là. Hardeur, mon doc! Non, ça va pas. Les couilles sur ton front! D'accord. Bon, du coup, pour la survie là, les gars, on fait quoi? Alors toi, tu décèdes en première. Oh putain! Alors Willow, il a pris qui Willow? J'ai une idée.
On fait tous les générateurs d'un coup, on salon, on t'ibug le mec et à la fin on met tunnel et camp. Non, tu peux enlever le grade modo à Wizbot pendant 3 secondes, mais. Pour quelle raison? Le bannir temporairement de la chaîne. Bannir qui? Oh putain! C'est un malade, non? Mais qui veut battre temporairement un bot. Le bannir temporairement juste pour le kiff et que là on peut. Quand Brahim a trop de pulsions. Trop de pulsions de dictateur. Il veut carrément partir ban des bots. Il veut voir que ce serait aller encore plus loin. Mais je crois que je veux pas le ban. Oh putain! Oh, il m'a fait peur ce gros. Attends, c'est toi, Willow. Ah bah non, Willow. Non, Willow bouge, c'est moi. Donc je disais, mais je crois que le boss, si je le mets plus modo, il est plus sur mes lives, mec, donc tu pourras pas le ban, en fait. C'est comme ça. Donc en fait, tu peux pas le... En gros, là, tu es en train de me dire que Willow est une porquée, en fait. Willow, non, je dis Wizbot. Non, Willow, là, sur ton live. Non, c'est une porquée, en fait. Mais mis un coup les gars, il tunnel, c'est mon main. Alors je tiens à dire qu'il a frappé la femme en premier, donc le gars est un gros sexy. Oui, on cherche toutes les excuses à la mort pour accuser le mec. Après tunneler, c'est un gros sexiste là, ferme ta gueule. Mais putain, Willow. T'as tapé la pierre en première. Oh GG. Les gars, pourquoi t'as tapé la pierre en première? C'est qu'elle a tapé la fille, mais comme par hasard, la fille Renoir. J'avoue! Mais quel enculé! Sexiste et raciste en plus! Oh là 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 là! J'ai vraiment envie de lui faire le cul! J'ai envie de marquer tunnel! Non, mais c'est bon, ta. Non, ouais, fais pas ça! Mais il a placé un piège! Ah, c'est un trappeur! Oui, c'est un trappeur! Ah, dis cœur! Il est où ton piège? Juste en face de moi, quoi! Allo? Regarde le bambou! Oh merde! Bah cours, j'ai rien. Oh, TG. Bon, le coup. Le mec, t'es le pire du mal, ça marche tellement, t'as une blague. Mais qu'est-ce qu'il est bon, alors là. Mais c'est pas du quoi, là, avec vous. Oh, c'était magnifique, par contre, qu'il va se prendre. Par contre, t'as vu une palette. Il y a quelqu'un qui a géré le bambou. Non, mais va pas par là. Mais oui, non. C'est une zone de mort, ça. Mais tunnel, bon, écoute, au bout d'un moment... Oh putain, j'ai failli le tunnel. Et puis voilà, c'est paillèche. Bonjour à toi, la personne qui est sur le live. Oh, j'aimerais tester ma compétence là de relever les palettes. C'est moi, non, mais il y a toi, mais tu sais, on est quatre, donc il y a moi, il y a toi, il y a une personne, je sais pas qui c'est, peut-être Kylian. Et il y a... Mais une personne... Il y a une personne inconnue dans le nom. Peut-être une personne. Quelqu'un s'intéresse sur pas à tes streams. Je t'emmerde. Mais Willow. Bah, mais Willow, il pouvait rien. Après, là, en fait, tout à l'heure, le problème, c'est qu'il s'est écarté de moi pendant que j'étais en train de bodyblock. Du coup, j'ai pas pu protéger pour lui. Et ok, il va sur moi le tueur. C'est moi ou t'es à gauche de moi là? Ah oui, t'es à gauche de moi, oui, effectivement, je me suis pas. Non, il m'a vu. Non, il m'a pas vu, il est parti loin, vas-y. Et bien, Willow, oui, c'est bien ça. Enzo, tu vois, j'ai pensé à une blague et t'as vraiment. Oh, fils de pute! Kylian, tu m'as pas prévenu! Mais pour regarder où tu fous les pieds, putain! Mais il était dans l'air! Kylian, t'as vu? Mais j'y peux rien! Enculé! Pardon. Au revoir! Trappeur, hein. Attention, il pose un piège à côté de moi! Tout à l'heure, j'ai libéré vers là! T'as vu alors qu'il y avait le tueur à côté? Attends. À. Une heure de moi. Enfin, de ma position, il y a un piège. Bah, est-ce qu'il est proche, putain? Le trappeur, non, il est pas là! Mais il y a un piège à une heure de ma position. Y'a un tueur derrière moi, les gars. Non, mais il va tout droit dans une heure. Mais qu'est-ce qu'il est con, mais. Putain. Et comme par hasard, le seul mec qui venait me sauver, c'est le mec qui entend pas mes conseils. Enzo,
Tu vois, le pire, il dure une heure et tout. Comme ça, c'est quand t'arrives pour un CM2, quand t'as une dispute entre Gachi et Natsu. Oh, le pire, à midi, à 13h, je suis oui, ouais, c'est ça. Willow, faut que tu viennes. Parce donc, je disais, à une heure de ma position, il y a un piège activé, d'accord? Willow. Donc, de préférence, venez me sauver par la gauche. Venez me sauver par la gauche, mec, il est. Mais je veux pas, mec, le vieux tueur il va directement sur moi. Willow, faut... Non, putain, t'as pas rien. 3 heures de bah, Enzo, super, alors. Il y a pas une heure de Enzo. J'adore ma vie en fait. Il est en train de te surveiller ou pas? Mais l'autre il s'est auto-libéré avec libération. Ouais. Attention à une heure de ma position, il y a un piège. Attention à une heure de ma position, il y a un piège. Attention à une heure de ma position, il y a un piège. Regarde où je mets les pieds. Non, Willow! Non! Non! Bouge plus! Recule! Tu dégages! Putain, il a failli arriver pile poil sur moi, Willow. Mais putain! Pile poil sur la. Courez, bande de trucs! Tu peux soigner sinon? Voilà, oh là. Normalement, Willow, il comprend pas les codes à une heure de moi. Ah, en fait, tu vois, Willow, quand je parlais de une heure et tout, je parle en gros de l'heure. Mais pas! En fait, lui, c'est le centre de. En gros, c'est comme si tu prenais une horloge, lui, c'est le centre, et à une heure, ça veut dire, en gros, tu prends comme si c'était une heure vers lui, en fait. Bon, allez, Willow, tu vas sauver Jackson. Mais mec, il va mourir, c'est à moi d'y aller là, comme ta gueule. À toi? Pourquoi toi? Mais je suis pas. Mais pourquoi il arrive à moi, ce trou du cul? Oh putain, il est sur moi. Ah, merde. Ah, il m'a fait bobo. Willow, c'est à ton tour maintenant. Le final est trempé 0, voilà, littéralement. Ah oui, parfois, ouais. Bon, Willow va sauver. Va sauver Jackson, vu que Kylian il a le tueur au cul. Pourquoi pas toi, Enzo? Parce que moi, la dernière fois que j'ai tenté. Enfin, bref. Mais pourquoi pas moi? Il joue trappe mais je joue. Pourquoi pas toi? Parce que je sais pas. Ouais. Ok, c'est bon, il suit. Willow, vide là, faut vraiment courir de toutes tes forces, de toute la force de tes jambes, c'est bon. Vous voulez qu'on passe une stratégie d'enflure? Je crois qu'il est un peu mort là, non? Je pense qu'il a raté les QTE hein, parce que ça va, elle est vraiment descendue très vite, hein, personnellement, je trouve. Les gars, vous voulez qu'on passe une technique d'enflure qui nous permettrait de gagner facilement? Je sais pas, mais les gars, vous faites des générateurs et puis fermez vos gueules. Tu me le ramènes vers moi là, sérieusement, tu me le ramènes vers moi là. Ah bon? Tu vois, il me suit plus. Mais hein. Putain de fils de Kian! Mais il me suivait plus, mec, je peux rien. Il a raté une attaque. Attends, je fais du bruit pour l'attirer. Mais putain! Oh, mais quel fils de table de ta mère, des chauves qui va manger des putains de chèvres. J'arrive, Willow. Vas-y, cours, ma couille. Cours ma couille. Parce que là il y a le tueur qui nous a. Oh, je suis P2, moi je vais crever. Willow, t'es la couille de Kylian. Ah, même, mais tous P2 sauf Kylian. Non, mais cours, Willow, cours. Ah, mais là putain, non, mais là on est niqué. Non, Willow, on est trop bon. Willow l'a ramené pile vers moi. S'il me bute. Vous voulez une stratégie pour qu'on aille plus vite? Je me tire, me demande pas pourquoi je suis passé en entier, je me bouvais devant de salopes. Kylian, je vais essayer de te soigner si je peux. Le problème c'est que le crochet est hyper proche de Willow. Il m'a pas accroché depuis le début, le mec. Vas-y, j'y suis presque. Normalement, tu me ranimes quasi instant. Tu fais le tour de l'arbre. Vas-y, cours. Bah les couilles! On tire, me demande pas pourquoi je suis passé en entier, espèce d'enculé, je vais être enculé. Bon, renverse pas la pète. Ça marche. Il est où? Il est derrière nous, à côté de toi, à ta gauche. Je crois qu'il est sur moi, Oh, non! Mini! Viens, la palette! Je pouvais pas, elle était trop loin! Ah, tu veux que j'aille la palette? Le problème, c'est que je crois que tu vas l'activer avant moi en fait. Mais ce mec, il fait de la merde, mais juste parce qu'il me body block au bon moment, quoi! Et il t'y vague à moitié alors qu'il m'a juste buté sur de la merde, quoi! Attends, j'ai laissé pour moi, mec! Merde, mais il va me voir là! Putain, il était nul, quoi! Et il me. Mais il me trappe en plus alors qu'il était nul. Allez, vas-y, s'il te plaît, dis-moi qu'il me trouve pas. Faut que je peux pas le foutre. Et je vais juste le sang. Bon, écoutez, on va voir si pour une fois j'ai de la chance. Oh non! Travers ma chauve! Comme d'habitude, j'en ai pas. Bon, bah écoute. Putain, en plus, les crochets sont hyper proches avec la mauvaise petite. Ça m'énerve, il était pourri, hein, mais vraiment. Je sais pas, gros. Vous mettez les pieds, quoi. Il y avait trop de problèmes à chaque fois. Êtes-vous prêt à écouter ma stratégie ultime? La stratégie, c'est que Brahim vienne avec nous, comme ça serait plus simple.
Oui, mais sinon, il y a une autre stratégie qui s'appelle la stratégie de fils de pute. Attendez, elle est classée comme top secrète. Ah non, elle est pas du tout top secrète. On prend tous une caisse à outils avec l'engrenage en espèce de truc rose, et voilà. On a juste. Ouais, mais attends, mais c'est quoi ce compte, Kylian, là? Quoi, Kylian, t'as. Ah, mais pardon, c'est vrai, t'as pris le perso. Mais Kylian, ne prend plus de perso de merde, là. Bah écoute, mec, je voulais rapidement tester sa perte, là, de relever les palettes, mais bon, je me doutais bien que ça allait être de la merde, parce que les tueurs. Relever des palettes? Le temps de relever. En fait, tu peux relever une palette toutes les 100 secondes. Alors, c'est bien, mais c'est bien, le temps de rechargement est beaucoup trop long, mec. Hein. Bah, après, faut l'améliorer pour que ce soit moins long. Ouais, sûrement, oui, mais. Alors, avec David en fait, King, mec, il gagne. Il gère beaucoup mieux. Palette, donc, généralement, tu vas récupérer t'en servir pendant une chase. Surtout que le pire, c'est que. Le tueur, il va. Généralement, presque les casser. Endo, monte ton perso plus de rang 50, mais rigole. Non. T'as dit quoi, Enzo? Le tueur, il va. En fait, le tueur, les 34 de temps, il va casser la palette, donc ça sert à rien, en fait. Mais voilà, c'est ce que, bah, c'est voilà, ce que je viens de dire. Enzo, pour combien tu fais. Pour combien tu augmentes ton verso 50 plus? Je crois que j'ai déjà amélioré plus de niveau de 50, hein. Mais je crois qu'il est pas revenu à niveau 1. Je sais pas pourquoi. Quoique, à moins que je l'ai pas dans la toile. What, mais. Ok. Non, mauvaise toile. Mahim, tu nous rejoins combien de temps là? En fait, je vais juste regarder un truc sur le live d'Endo, c'est tout. Voilà. Okay. Quand t'as combien, tu termines ta toile, donc du coup, tu repasses niveau 1. Non, déjà, j'améliore Claudette pour l'améliorer jusqu'à avoir profil Axie déjà. What the fuck? What the fuck? Vous aussi, vous êtes bien bugué vos mères, là? Merde, non. C'est qui a bugué? Oh, c'est qu'il y a. Je pense que c'est très chiant de. Comment ça, c'est qu'il y a le gros fils de. Il y a. T'as bugué! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah t'as bugué? En fait t'es plus tes amis en fait, c'est ça le truc, donc il sait que c'est toi. Oh bah putain, oui. Mais c'est quoi ce bug de merde là encore? Mais autres quand j'ai regardé sur toi là, toi aussi t'étais bugué, enfin t'étais plus dans ta oui, game. Oui mais là. Tout le monde a quitté parce que tu es chef de groupe, donc dès que tu quittes ça acquitte tout le monde je crois. Ouais je vois que Willow et je te fous le seum. Non en fait je crois que quand quelqu'un quitte le groupe, peu importe qui c'est, ça peut tout bugger s'il fait le bug. Non, de base quand tu te barres, t'es pas censé, je suis complètement con. Bah ouais. D'un côté, dans tous les cas, Enzo est encore sur le jeu là, sur son live. Et Willow il est encore sur le jeu. Ouais, moi aussi j'étais encore sur le jeu. Moi aussi j'étais encore sur le jeu. Non, là tu pas sur les amis, dans les amis, oui. C'est qu'en fait, je pense que les serveurs ont bugué pour toi. Alors, quand je te dis là sur le live, je vois bien le Brahim, le Furikat et Kylian AFK avec le Phoenix, avec le. Yes, merci Kylian. Enzo plutôt. Et ta mère. Quoi? J'ai enlevé. Tiens, tu veux ouvrir la liste? Voilà. Bon, du coup, il y a aussi Maria, du coup, et Shiro, voilà. Enfin, Shiro, vous avez tous aidé, merci beaucoup. Merci, au revoir. D'ailleurs, je crois que ta mère n'a toujours pas accepté notre demande d'amis, Kylian. Je crois même qu'elle a refusé, en fait. Elle a refusé, en fait. Non, je pense qu'elle a juste arrêté de jouer à Dead by Daylight, en fait. Ah, genre, elle a désinstallé et tout. Non, mais je crois que depuis la dernière fois qu'on a joué avec elle, elle a pas rejoué parce que de base, c'est pas parce que techniquement, soit je suis censé l'avoir là, soit je suis censé l'avoir dans les demandes, mais il y a ni dans les demandes, ni dans les listes d'amis, donc. Ce qui est un petit problème. D'ailleurs, putain, Kael, faut que tu me donnes le compte de Jimmy, parce que Jimmy, je l'ai pas en ami. Tu te démerdes. Mais t'as pas envie de gratter un maximum d'amis quand même. Quoi? Mais non, mais Jimmy, on l'a. Mais non, mais c'est juste pour au cas où l'inviter plus rapidement, tu vois. Si je suis chef de groupe ou des trucs comme ça. Oui. Comment ça, oui. Waouh, quoi. Déjà, de base, il est même plus sur le Discord, donc il va savoir s'il va venir. Ouais. Mais je sais pas, pourtant, à un moment, il y avait un bug parce que je le voyais pas, mais je pouvais une notif, c'était un peu chelou. Non, mais qui? En même temps, il y a écrit Invaluable machin mid Discord, la user, tu vois, pour dire comme que le gars est plus là. Sympa. C'est qui? Un certain Jimmy. Mais t'es là, bah t'étais là en plus Willow, non? Ah, je sais pas. Je te fous le seum. Hein? Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Non, pas je te fous le seum, parce que le seum c'est une autre personne. Non, mais on sait très bien qu'il est plus là, de toute façon Willow, on l'a déjà vérifié plusieurs fois. Ouais. La dernière fois, il y avait bien plus de seum par contre.
Mais en fait, je crois qu'en plus, son truc c'était Yologi, mais je pourrais pas retrouver son. Je pourrais pas retrouver son nom parce que. Je connais pas son hashtag en fait. Ah, mais attends! Hashtag ad? Mais y'a forcément quelqu'un qui l'a? Kylian, c'est pas toi qui l'a? De quoi? Jimmy en ami? Jimmy en ami? À moins que. Attends, à moins que vous l'avez direct invité sur Discord? Normalement, c'est moi. Mais non, on aurait pas pu l'inviter si jamais on l'a pas pris sur Dead by Daylight. Non mais pas sur Dead by Daylight, sur Discord. Sur Discord peut-être, mais... Vas-y, vérifie pour voir. Pendant que ça lance. Tu mets un Discord sur Twitch et c'est bon le mec... Ouais, c'est ça le problème, c'est que je me dis, est-ce qu'on avait fait parler un Discord direct? Non, je crois qu'il avait pas donné son truc, je suis pas sûr. Pire, tu regardes un live et t'avais pas Yosh. Au pire, si enfin Twitch pouvait m'envoyer le mail pour confirmer mon compte et que du coup je peux parler à des gens sur Twitch. Oui, parce que Twitch ne m'envoie pas les mails, hein. Je lui ai au moins dit 20 fois d'envoyer le mail. J'ai pas reçu le mail pour confirmer mon compte, c'est ça qui est génial. Donc un plaisir à Twitch, bien sûr. Attendez, les gens, je prends un défi. J'ai trucidé. Je vais rapidement quitter le groupe pour le prendre mon défi parce que je vais t'enfouler, mais sale. Garde tes pulsions sexuelles pour plus tard, s'il te plaît, cher ami. Je ne suis pas prêt à me faire broyer la boîte à Toblerone. Ça, moi j'ai dit trucider, par contre Willow, lui. Il a envie de me taper dedans, violemment. Ouais, il a vraiment envie de t'enfoncer quelque chose qui se trouve entre ses jambes dans ton derrière. Tout seul, c'est bugué. Ah, c'est bon. Tiens, Kian, bah tiens, toi qui dis que t'arrêtes pas de répéter sans cesse. Là, Willow, il est en mode Harder Daddy, là, je le trouve. Mais c'est chiant, putain, ça m'énerve. Mais pas que t'es encore bugué. Maintenant, ma box, elle décide de s'arrêter de marcher tout d'un coup. Enfin, juste, c'est même pas la box, c'est la Xbox, elle décide de se déconnecter. Je crois qu'elle a pas trop aimé le Harder Daddy de Willow. Mais la Xbox, elle décide de se déconnecter toute seule, elle me demande. Je comprends pas, c'est quoi cette merde? Attends, j'ai quitté, mais c'est fait exprès, d'accord. Mais c'est bon, ça va, je reste. Under Daddy. Bon, je vais quand même. Mais non, mais qui attend quand même. Bah, j'y peux rien, mec. C'est ma Xbox qui décide, malheureusement. Malheureusement. Mais putain, dresse ça ta Xbox, voilà. T'as plus un peu au cul là. Mais je sais pas ce qu'elle nous branle des fois. Elle se décide. Des fois, elle décide de se déconnecter tout seul. C'est impossible. C'est une énigme. De quoi? Mais what? What? Mais pourquoi le truc me dit que je suis replacé à 49 followers, ma gueule? 48, putain. T'as combien? Il y en a rien qui étaient abos des abos, quoi. Je te vois 49 ouais, là. Ouais, sûrement. Attends, si je mais c'est un truc de malade, mais putain, mais reconnecte. Pourtant là, il y a un truc qui me. Il y a un mec qui me suit depuis une minute, mais je crois que c'est un bot, non? Putain, c'est une connexion filaire, t'es pas capable. Je vois pas pourquoi elle peut se déconnecter là, c'est pas possible en fait. Autant la connexion elle marche sur ma tablette. Putain, faut que je redémarre la Xbox, c'est ça qu'on est en train de me dire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 quoi ? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ah mais attends, mais je vois pas Nozu follow. Attends, mais pas qu'il a des follow magènes. Attends, je vais voir ma connexion. Oh le bâtard. Qui, je vois pas qui, qui, déjà, il y a un gros bug parce que je vois, là ils me disent encore dans le fil d'actualité que Miuchi, Nozu et Air4Liac me suit il y a 3 minutes, 4 heures et avant-hier. Mais il les compte pas en tant que follower. Alors que normalement, je crois que dès que ça unfollow, normalement ils sont plus censés être apparus, je crois. Au pire, je demande des conseils à Phoenix pour comprendre si c'est des bugs ou je sais pas quoi. J'ai regardé ma connexion, je suis à 5 de ping. En descendant, je suis à 37. Et en montant, je suis à 203. Ah ouais. Mais encore là, ça va parce que. C'est pas qui tente de gratter des gens pour jouer à DBD. Parce que comment là, de base, je suis à 2 ping et à 700. Je vois pas de quoi tu parles. Les messages. En plus, attends, faudrait que je demande à... Je te fous de la chaîne.
Il a pas follow, je te fous le seul. Le mec, il casse les couilles, il veut vraiment forcer tout le monde à follow. Ta gueule. Mais il est sur live, il a joué avec nous, gros. Mais il est pas du tout follow, quoi, ce mec. Bah, ça va, il peut le faire en deux spies, en mode. C'est un clic. En toum-toum. Bah non, il fait ce qu'il veut. C'est de la merde, ta chaîne, il se follow. Il t'a mis. Ou plutôt ta manette. Je le comprends totalement, vu que c'est de la merde. Sauvagement même. J'ai pas envie de savoir, Enzo, ce que t'es. J'ai pas envie d'en savoir plus sur tes délires là. Ouais, j'ai envie d'en savoir plus. Voir nique ta connexion aussi. Voir nique ta Xbox aussi. Déjà que je suis. J'ai envie d'en savoir plus. Je vais prendre un clip, Enzo. Je vais clipper le truc. J'ai une question. Pourquoi on met 20 minutes alors c'est une partie quoi. Parce que Kylian a bugué deux fois. Parce que ma Xbox elle a envie de me casser les pieds. J'ai dû relancer le jeu 3 fois, mon gars. Je peux dire qu'elle le fait bien, par contre. Mais... Elle casse bien les pieds, ouais. Mais quand elle décide de désactiver la connexion sans me demander, ça m'énerve. Ouais, j'irai plus tard pour si c'est un bug et Phoenix en fait le fait de. Mec, j'ai tellement les diables, bien fait pour ta gueule. Alors déjà, je t'emmerde, et en sachant que Dead by Daylight c'est un jeu qui a un petit temps à se lancer, c'est un peu chiant. Un peu de temps. Ça prend 20 minutes. Ouais, voilà. J'essaierai de demander conseil à Phoenix, au pire, Phoenix, pour savoir si c'est un bug ou quoi. Parce que j'aimerais bien savoir en fait, parce que. Ah, oh, ta mère là, quoi. Arrête de gratter des followers. Mais je gratte pas en fait, c'est juste pour savoir comment ça se passe, Switch. Parce que je sais pas si c'est un bug ou si. Enfin, j'en sais rien, genre. Pour m'expliquer, genre, parce que sinon. Pour comprendre en fait, je sais pas, moi, c'est un peu logique. Non, j'ai juste compris que ta chaîne était de la merde et ils sont pas beaux, quoi. Je te baise. J'ai ce que Muji il est arrivé, il a direct dit wow. Il a fait tu cries à fond. Pas une blague alors. Bah ouais, ça c'est. Non, mais je crois qu'en fait parce qu'il est arrivé au moment où j'étais en train de crier parce que j'étais en train de flipper. On va tout niquer, je suis pas sûr de quand tu es traîné. Ah ouais, non, là non. Je suis pas sûr de quand tu es traîné, on va tout niquer. Le problème c'est qu'il avait pris un perso qui puait la bite. Bah en fait je pouvais juste relever des palettes. Et ça va pas ce qui donc plus la merde. Voilà le bon gros David voilà, King là cette j'ai fois. J'ai relevé une palette et on m'a même pas servi plus tard. Ken a un perso de merde, Willow plus la merde et Enzo plus la merde. Donc les gars, voilà. Je t'emmerde. Réglé. Je t'emmerde. Bon les gars mais ça va les mots Discord, les mots là sur pour Twitch quand même. Non mais Ken, ça va, y a pas d'insulte. C'est je dis juste Abrahim de faire plaisir à sa maman, c'est tout. Non, je te l'ai, mais au bout d'un moment, dire bonjour, pour dire bonjour, des mots comme fils de putain, c'est pas ouf quoi. T'as dit quoi, Kier? Quoi, dis donc, saluer quelqu'un en traitant sa mère de putain, c'est pas ouf quoi. Non, j'ai pas dit ça. Déjà, on avait dit Nick Nanani. Mais pour info, c'est pour ça que j'ai dit prends soin de ta mère. Enfin, fais plaisir à ta mère, en gros, c'est ce que ça veut dire. En gros, c'est un compliment. Ça fait bizarre quand c'est un mec. Oh, Willow, tu connais le bouton prêt, Willow? Mais Stéphane! T'as éteint la lumière! C'est quelle lumière? Ouais, il y avait une lumière très dorée. Non, pas celle-là. Ouais, celle-là. Kylian, laisse Enzo dans le noir, ne parle pas Willow. De l'éclairage. Le bouton prêt, Willow. Merci, Willow. On va me le dire avant. Mais je te l'ai dit avant, mais en fait, pas répondu en fait. Après, c'est Willow qui se plaignait qu'on met 20 minutes à lancer une game, mais c'est quand même lui qui met 20 minutes. C'est ce que j'étais en train de penser tout à l'heure. Je suis juste en train de parler avec Enzo. À vous, Enzo, t'as Michael Myers qui vient dans ton dos, dans le noir, mec, tu fais une crise cardiaque, Enzo, à vous. Ouais. Non, il va lui faire bouffer sa boîte de Pringles. On va lui faire recracher le burger de tout à l'heure et lui refaire manger. Big burger. Alors, Big burger. Pire sentence. Mais non, mais c'est la meilleure. Ouais, ton meilleur. Curseur, ça va, Enzo, tu l'as pas assez trimballé ce matin. TG. On voit quand même. N'empêche, on connaît pas le jeu, les mecs. Je commence à me péter les couilles là, on vient de mettre près, ça fait 20 minutes que j'essaye de chercher une partie. Enfin, qu'on essaye de chercher une partie. Trouve-moi une partie rapidement, non, le jeu. Ouais, parce que là, on est 3. Parce que si on est vrai, je pense que ça serait plus rapide quand même. Parce qu'on serait 4 et genre, c'est direct rapide quoi. On est quand même sur une liste d'attente, donc c'est un peu différent. J'en ai marre.
N'est pas que t'as rebugué. Je suis le seul mec poli. Je commence à parler. Y'a quelqu'un, je ferme ma gueule. Quelqu'un commence à parler. Je dis rien tout court. Ouais, sinon allez, je disais que je parlerai avec quelqu'un sur Discord. Attends, je comprends pas là. Il se passe quoi là? Il est excité, maintenant, pourquoi t'es énervé, Kiel? Mais parce que je suis le seul mec poli dans ce Discord. Quelqu'un commence à parler, je me tais. Et quand je commence à parler, quelqu'un prend la parole, je me tais aussi. Vous me coupez la parole et je dis rien, ça m'énerve. Attends, alors, mais t'avais pas parlé là, il y avait juste Willow qui se plaignait qu'on cherche, qu'on met 10 heures à chercher un truc. J'ai pas compris moi en fait là. Genre moi, tout ce que j'ai entendu, moi c'était Willow qui était en train de se plaindre et d'un coup t'as King qui s'est énervé direct. Mais normal, il m'a coupé la parole 20 fois et toi aussi Enzo en plus. Quoi? Attends, non mais là, c'est juste que c'est contre tout le monde là. Je crois que t'étais en train de bugger, mec, hein. Mais je crois que t'étais en train de bugger, hein. C'est franchement, mec. C'est ça, là, alors, tu peux parler d'un truc ou pas? Oui, vas-y. Ouais, si tu veux. Démet t'es prêt parce que je vous rejoins. Démet t'es prêt, ok. Démet t'es prêt. Mais je crois qu'Yann, tu buguais, hein. Vous pouvez me désourdiner? C'est moi qui dis ça. Mais comment ça, il est mis en sourdine là? Mais je comprends plus rien là! Mais c'était une blague, connard! Ah, d'accord. Putain, non, mais je te dis un truc, Yann, c'est toi qui parles. Tu pourrais décommencer à dire de la merde. Ah. Mais mec, c'est toi là, je comprends rien. T'es schizophrène, je crois, Kylian. Yann, si je peux te dire un truc, heureusement qu'il n'y a pas Phoenix avec nous, parce que je te jure que t'aurais réagi, parce que mec, une fois j'ai voulu dire un truc à Enzo, je commence à parler, tu vois, pour dire un truc à Enzo, Phoenix, il parle, du coup, voilà, du coup, il est en train de parler, du coup, il a repris le truc, du coup, moi, j'ai arrêté, puis ensuite, quand il y a un blanc, je commence à parler, il parle en même temps que moi, il me fait, oh, bah, il me fait pas de couper ma chouchette, alors que ça fait 20 minutes que j'essaie de dire un truc à Enzo, et qu'il arrête pas de parler en continu. J'avoue. Après, c'est lui qui se plaint aussi pour. Moi, je me suis engueulé pour en parler, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de vocal, j'ai demandé de venir dans le vocal avec moi. Mais par contre, là vraiment. Non, mais là, je vais la redire parce que là, je comprends pas, hein. Bon, parce que pour moi, Kylian, il s'est vénère d'un coup, tu sais. Ouais, j'ai essayé de prendre. Après, je peux dire un truc depuis le début et que vous arrivez pas de le couper, Et même quand tu commences à dire un truc et que personne ne parle, d'un seul coup, vous le coupez et vous l'empêchez de parler, quoi. Alors que vous, quand vous parliez. Toi, tu l'entendais? Il vous coupait pas, il était gentil, tu vois. Mais mec, j'ai toujours dit moi que faut arrêter de se bloquer. Non mais moi je le dis, faut arrêter de se bloquer, genre tu parles direct, tu t'en bats les couilles. Bah oui, mais c'est parce que moi tu vois quand je commence à parler, quelqu'un dit autre chose, je me dis bon il m'a pas entendu. Mais au bout d'un moment, au bout de 5 fois où je me fais couper, j'en ai un peu marre quoi. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il doit parler en force, bordel. Endo, tu sais pourquoi, tu sais pourquoi il fait ça ou pas, Kylian? En gros, en fait, on parle longtemps des trucs comme ça, et en gros, bah du coup, il est poli, lui, tu vois, donc il va pas couper les gens. Mais... C'est pas couper parce que... Mais ce truc, c'est que... Attends, j'en ai marre. Mais si je parle en force... Mais si je parle en force et qu'il y a un autre mec qui veut parler, il va aussi parler en force, et du coup, ça va encore plus me briser les couilles, donc je peux pas juste me la fermer. Bah non, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on aura terminé, mec. Parce que dès que je parle, je ferme ma gueule pour laisser quelqu'un parler, mais personne m'entend. C'est pour ça que je gueule maintenant. Alors, Willow, tu vas littéralement de couper violemment la parole à Enzo, mais d'accord. Mais bon, après, ah bah, c'est quoi, j'essaie de parler. Mais j'ai rien dit là. T'es en train de dire un truc, j'ai vu ton truc bouger. J'ai même entendu les gens. C'est peut-être, je sais pas, j'ai peut-être juste respiré, j'en sais rien, moi. J'ai rien dit là. Elle parle, elle est bizarre, ta respiration, franchement. Bonjour, Willow, tu lances? En fait, que j'essaie de. C'est pareil, là, j'ai fait. Willow, tu lances? Bah, j'en ai marre. Je peux parler, c'est bon. Je voulais dire, c'est pas le seul dans le scan, parce que depuis que je suis venu dans ce serveur et dans cette vocale, à chaque fois que j'essaie de parler, la parole. Ta gueule. Oh putain. Hein? T'as dit un truc? Bref, je vais mourir en premier, je sais pas pourquoi. Donc, il y a eu un déco-reco, j'ai même pas le temps d'analyser de qui c'était, mais. Ah ouais, il y a eu un déco-reco. J'ai même pas vu. Bah, en même temps, je vois pas parce que je vois pas l'histoire en fait. Tout ce qu'Enzo m'a dit en trois. Genre, t'es là, de temps, t'es en train de déco-reco, c'est juste. Raïm, tu vas mourir, je sais pas pourquoi. Quand même. Juste, on a commencé On a commencé à jouer vers quelle heure là? Notre première partie, on l'a lancé vers quelle heure? Je crois qu'on a lancé vers 21h. Mais en gros, on a mis une heure. On a mis une demi-heure, mec, à lancer une deuxième partie, quoi. Le problème, c'est que t'as bugué beaucoup trop de fois, en fait. Et que Brahim s'est ramené, et que du coup... Brahim s'est ramené, donc ça a aussi un peu retardé encore, et voilà. Du coup, ça a un peu ralenti le temps, mais pas énormément, tu vois. Limite, on va prendre moins de temps pour aider parties. Ouais, un petit peu, genre 2 minutes, tu vois. Mais juste, tu vas me dire qu'on n'arrive pas à trouver un tueur
en sachant que 90% des gens jouent, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on est en liste d'attente. Premier. Mais les attentes, je les emmerde. Le pire, c'est que quand je joue, moi, je joue tueur, vous trouvez une partie en doute de mon mais tellement. Alors, normalement, ça devrait être un merde. Genre, comme il y a beaucoup de tueurs, ils devraient trouver moins facilement des parties que les survivants qui sont beaucoup moins. En vrai, t'en sais rien qu'il y a. Ça se trouve, il y a plus de gens qui jouent survivants que tueurs. On sait pas. Après, Kyle, c'est pas parce que tu kiffes de jouer tueur que forcément tout le monde est comme ça. En fait, ils changent souvent de rôle, tu sais. Pendant un moment, mec, trouver une partie de tueur, c'était l'enfer. Maintenant, c'est trouver une partie en survivant, mec. En fait, j'ai l'impression que ça change tout le temps. Parce qu'il y a des moments où on trouve des parties de survivants en 2 secondes, il y a des moments où on trouve un peu longtemps les parties de tueurs, il y a des moments où on trouve les parties de tueurs en 2 secondes, il y a des moments où les parties de survivants on met 10 ans. Bon, y'a pas un putain de tueur de merde là qui veut s'il vous plaît, si vous voulez, alors je vais faire une offre spéciale. S'il y a un tueur qui arrive dans la prochaine minute, je lui laisse un hook dès le début. On peut envoyer Brahim. Et vous savez quoi, je déconne pas. Je sais quoi, si on en trouve un là dans 10 secondes, je te jure que je laisse me KO et me tuer direct. Pas envie de perdre la game. 5, 6. Non, vraiment non plus, je vais peut-être pas le faire en vrai. Tu brawl, Willow. Un second. What the fuck? Il n'y a jamais de tuer direct. C'est chiant. Mais sinon, d'ailleurs, on y est ce soir, je fais un. Une mouille de. Est-ce que je fais un live ou pas pour Dead by Daylight là ou pas? Moi je pense que je vais regarder l'épisode de Contre Baiser qui est sorti il y a 2 heures. Enzo? Parce que voilà. Après, à la limite, pour Willow si tu veux et pour Brahim. Hein? Enzo, renomme ton live. On attend qu'un tueur se pointe devant nous sur Dead by Daylight. Ah putain, mais je sais pas pourquoi je peux pas modifier là. Je sais pas comment ça marche ça. Parce qu'il y a des moments où je peux pas modifier, genre c'est un peu chelou. Oh putain, Brahim, la prochaine fois il dit plus souvent qu'il faut. Mais qu'il faut. Si le tueur quitte, je pète un câble. Mais il quitte pas, frère. Pourquoi un tueur quitte, s'il te plaît? Franchement, si il quitte, je le retrouve. Mec, c'est quoi? C'est 0,00001% des tueurs. Alors, de base, Willow, c'est l'inverse. Mais je t'assure que le tueur, tu mets prêt. Non, mais je te jure que si il clique, je trouve que je vais chez lui et je vais faire un anecdote mourir, vraiment. Alors. Vas-y, il va l'éclater sa bête. Mais mec, je vais lui mettre un coup de tronçonneuse dans le cou. Les gars, il va venir avec sa tronçonneuse, il va te mettre un bodybuilder qui va lui prendre la tronçonneuse d'un coup, il va lui péter les bras, il va aller faire. Bodybuilder face à une tronçonneuse, je pense que je gagne. Les gars, j'ai vraiment envie de voir le Memento Mori de Willow, par contre. Ça se trouve, il va arriver avec une grosse mitrailleuse de Battlefield, il va l'éclater sa grosse merde. Alors, il en a vraiment une en plus. Hein. C'est pas un Memento, c'est un mec qui s'est trompé de jeu. C'est pas pareil. Memento Mori, il va lui mettre la grosse mitrailleuse dans la bouche, il va lui mitrailler. On est quoi, l'infirmière? Je sais pas qu'on tombe sur une infirmière qui sait pas jouer comme ça, la démonte. Oh putain. Ça serait pas mal, mais. J'ai l'impression vraiment d'avoir un cheat à trouver tous les tueurs dès le début comme ça. C'est pas un cheat, mec, c'est juste que quand t'es débutant. Quand tu tombes, je pense. C'est pas un cheat, mec. Hein. On l'a tous eu, hein. Autant de fois. Ouais. Tu regardes les premières vidéos, mec, tu vois très bien. Il prédit une infirmière. L'infirmière, on est contre l'infirmière. Là. Oui, on l'a dit. Ah. Il a eu l'info là. Oui, il y a un message dans le chargeur, la base. Bon, bah, attendez, je vais faire un truc. Alors, comment battre une infirmière? Vu que c'est un fantôme, il y a juste besoin de l'aspirateur de Luigi, d'accord? Et d'aspirer sa grosse figure. Voilà. Les gars, je vais faire un jeu. Si, c'est un fantôme! Non, c'est une connasse qui se téléporte. Et si on tient plus de. Si on tient plus de 10 minutes, j'offre de l'eau à l'Afrique. Alors, je sais pas si sur cette map, l'infirmière, elle peut être cheatée. Oui, elle est cheatée de l'ego. Ouais, elle peut être cheatée sur cette map, non? Non, elle peut pas aller cheatée. Oh non, 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 non. Ça m'énerve quand j'ai un QTE au moment où je me gratte. Ah putain. Mais c'est pour ça que moi, ce que je fais, en gros, ma technique, c'est qu'en gros, j'attends qu'il y ait un QTE et après, je fais l'action, tu vois. Mais genre, je veux dire, j'attends vraiment le QTE jusqu'à la fin. Deux QTE d'affilée, là. Mais gaffe, elle arrive. Non, mais ce début de merde.
C'est bon, il vient de one shot Willow. Mais il te donne un générateur, c'était fait tuer, elle la grappe instant. Ah ouais, mais ça c'est vraiment un truc de salope ça. Ah! Du coup, elle joue bien ou. Ok, elle joue bien. Bon, bah, on a perdu d'avance. Hein. Alors, laissé pour mort. Cours. Ouh, le perfect! C'est ce que je vais faire. Bon, par contre, les gars, du coup, elle a thanatophobie. Donc, pour chaque mec blessé ou KO, voire accroché dans notre équipe, elle a, on a 5% de réduction de vitesse sur les générateurs, les soins, etc. Mais je suis là, dis mec. Pas qu'elle arrive cette salope. Attends, je vais la voir. Mais laisse pas de tuiles. Ok, là je peux me gratter. Oh, ça fait du bien. Attends, si je la vois, je me gratte. Pogne-moi dans le coin. Non. Oh non, vous la ramenez là. Non. Non. Les gars, sinon je peux bien ce que j'ai fait ou pas depuis le début. En gros là j'ai mis un chronomètre à côté de moi et j'appuie sur les intervalles à chaque fois que quelqu'un se fait accrocher et à chaque fois que quelqu'un risque de mourir. Elle est où cette connasse? Non, elle arrive, cette pute. Oh non. Oh non, la pute, il plus dangereux dans Je fais mon tour de cheval, j'en ai arrangé, s'il te plaît, merci. Ah merde. Ouais, pas faux. Je mange des steaks de cheval moi, mon pote. On avait rien entendu, d'accord. Ouais, c'est ça, le générateur, pardon, Kylian. Kylian, tu t'es barré, t'es vraiment le plus gros petit que je peux connaître. Mais quelle salope, d'où elle peut se taper 3 fois, j'ai entendu se taper 2 fois. Je vais faire à cause de ce qu'elle t'a fait tout à l'heure, hein, comprends-moi. Ok, elle arrive. Ah putain, en vrai, si on avait pu renverser la palette, ça aurait été parfait. Ok, elle arrive sur moi. Si tu peux essayer de libérer Enzo. Sans bouger. Bah, c'est... attends, elle me suit là. Hein. Ok, bien sûr, moi. J'arrive. Ah, c'est machin. Dégueu, elle a mis des rats sur son congé. Ah oui, c'est un idée bizarre là. Non, mec, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment des rats. Hein. Et y'a le gars qui sort comme ça. Là. Quoi, après, tu vois. Je ne juge pas, mais voilà quoi. Tu me tires. Je vais faire la phénix. Non, bien, on va se soigner sous le crochet. T'as mal à tout. Chacun a son type de design après, je dis ça, je dis rien. Faites des gènes. Mais non, mais bah, tu crois que je pouvais faire des gènes là quand il était en train de m'accrocher, t'es une fureur des abysses. Tu crois que je pouvais faire des gènes quand j'étais train de me vider parce que sinon on a moins, sinon on fait les trucs le moins vite. Non, bah, moi je trouve que c'est vraiment cheaté hein, parce que elle a vraiment. Moi j'ai entendu 3 TP, hein, c'est. Attends, viens me soigner avant que je termine le gène. Ouais, soigne-le parce que sinon on va faire les gènes plantes, moi c'est chiant. Ce serait peut-être un petit peu intéressant de faire les gènes 3 rapidement en sachant qu'elle a déjà accouché 3 mecs. Mais d'abord je me souhaite parce que si elle arrive en 2 speed d'abord et qu'elle me défonce. Après, salope. Putain, fais chier. Elle s'est TP sur moi et à peine elle a fini sa TP, déjà elle m'a grabe quoi. What the fuck. Ouais, c'est rageant quand ça fait ça. Faut vraiment faire attention, tu vois, faut être minutieux dans les déplacements de l'infirmière. Enfin, on va dire, faire mais bien moi, je trouve qu'elle a cheaté parce que, franchement, normalement, c'est quand elle crie qu'elle fait le TP. Donc, techniquement, elle fait deux cris avant de me frapper. Mais donc, c'est-à-dire que normalement, c'était deux fois. Oh merde, vas-y, Brahim, sur la réserve. Donc, c'était vraiment un truc pété. Ouais, ok, elle m'a frappé, moi. C'est une salope. Elle a pas tort, hein. Moi, j'avoue. Mais c'est une salope. Bon, moi les gars, je vais en haut tranquille, d'accord. Donc, essayez de bien rester en bas. Te vois toi, apparemment. Enfin, quand je dis en haut tranquille, pas nécessairement, parce qu'à tout moment. Je vais même pas essayer de me servir des palettes, je vais juste tenter de la brain derrière un mur. Franchement, vas-y. Je crois qu'elle me suit plus. Ouais, elle a arrêté de me suivre. Putain, si elle vient en haut, Kylian, je te baise. Allez. Oh non. Ouais, elle a même pas fait de bruit, rien du tout. Elle s'est TP instant sur ma gueule, elle m'a tué. Mais là, c'est une idée, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est bizarre parce que. Du coup.
Ça a fait pareil, elle était encore en train de se TP, enfin tu sais, elle était genre invisible, tu sais. Ouais, mais donc du coup, je peux confirmer 5 minutes 30 de game, c'est pas mal quand même. Ah, maintenant je mettrai un chronomètre pour d'être pas là, j'en ai pour rien à foutre. Putain, mais quelle salope, elle vient vers moi. Quand même, elle a pris une minute pour me tuer entre deux trucs, donc voilà, c'est pas un tunnel comme quoi, y'en a, ils focus, mais c'est pas un tunnel. Non, c'est bon, elle est sur Willow. J'ai réussi à esquiver. Hein. Ouais, c'est bon, wesh. Enfin, c'est pas bon, mais je veux dire, c'est bon que pour que tu puisses continuer le gen. Donc, Willow, tout ce que je peux te dire, c'est de te nier. Et c'est pas encore loop et trucs comme ça, tu veux dire, c'est sur Killian. Déjà, il a zéro truc, en plus de ça, lui, c'est loop. De quoi ? Ah, c'est. Bah oui, mais en fait, elle me lâche au bout de 2 secondes. Depuis tout à l'heure, donc même si je le voulais, j'avais voulu attendre me loup au lieu de se laisser loup en fait. Ça me tue, les gars, vous saviez où est-ce qu'elle voulait accrocher Willow ou pas ? Sur ton crochet. Voilà, non, c'est ça. Non, et après, elle vu que j'étais qui mon crochet était déjà prêt, elle a fait oh shit, non, mais quoi, on va changer de crochet. Vraiment, le pire qu'elle a eu le temps, la toute dernière seconde, quoi. Genre, un petit peu plus tard, il s'est beau, c'était fait Willow, il se barrait, quoi. Ouais. Ouais. Oh merde. Oh, mais. Elle est sur moi. Ok, dès que je termine le gel, je sauve Willow. Les gars, j'ai une idée, les gars, j'ai une idée. Oh non, qu'est-ce que t'as brûlé ? Les gars, vous voulez pas commencer à chercher la trappe ? Franchement, c'est compliqué en tout cas de gagner 100, donc. Ok, viens Willow. T'as pas sur la réserve, Enzo ? Moi non, mais non, et j'ai pas amélioré Bill à fond. Tu casses le mec, pour si elle a Chiba ou tout, je la baisse. C'est quoi là, c'est... J'avoue, c'est ça en fait, il l'a amélioré juste pour le laisser pour mort quoi. C'est à la base, ouais. Mais le problème, c'est que là pour l'instant, j'améliore Claudette, donc j'améliore Bill plus tard. Hein. Mais c'est pour mort, tu l'entends avec tes putains d'oreilles, t'as pas besoin de. TG, bordel. Je suis en train d'améliorer Claudette, je viens de le dire. Bah arrête de quand même de prendre l'essai pour mort, c'est de la merde. Mais pour l'instant ça sert à rien parce que j'ai pas d'autres paires qui sont mieux. Bon, par contre tu dis ça mais avec le nombre de fois que l'essai pour mort m'a sauvé en game en ligne, voilà. Oui mais t'aurais pu très bien t'enfuir sans en vrai avec le son de la trappe. Oh mec, s'il te plaît tu peux tanker un coup pour moi. Tu peux tanker un coup pour moi, merci. Ah merde, attends, il est où le gène? Ouais, je TP avec one shot, j'ai rien comprendre. En vrai, ça va être compliqué de tanker contre une infirmière parce qu'elle va probablement se foutre pile devant moi. Ouais. Avec ses TP ouais. En plus. Au moins qu'elle sache que Willow est déjà à deux phases et que du coup, elle va juste focus Willow. Mon truc, ce qui est bien, c'est que si elle arrive par devant là-bas, je pourrais un peu la pré-shot. Merci. Merci, il a rien fait là. C'est juste toi qui a tué des darts pour te barrer. Ok, ouais, rip Willow. Ok, rip Willow. Mais bien, il a vraiment été mis KO juste devant le crochet, quoi. Juste devant le son crochet de mort. Ah ouais. Ah, il n'a vraiment pas de bol, quoi. Donc, du coup, Willow mort. Bah, au bout de. Ok, donc Willow mort au bout de 8 minutes et. Combien de temps ? 8 minutes et 45 secondes, okay. Oh putain, c'est mon tour. Bah, je pourrais pas vraiment t'aider là, Kim. On ne rappelle plus les crochets, tout ce que je sais, c'est que je me rappelle par contre très bien du timer de chacun, par contre. Mais c'est très bien que moi je suis mort au bout de 5 minutes et Willow est mort au bout de 8 minutes 45. Moi, ça oh le petit perfect 30, donc ça va en vrai. Bah, guys, ce que je peux te dire là, c'est essayer de survivre à bord pendant que j'arrive à faire 3 gènes. Ce qui est un peu. Très long. Bah, Enzo, si j'arrive à bien gérer dans ce cas-là, mais. Oh non, là déjà ça gère pas bien si tu la ramènes. Oh non, putain, elle vient sur moi. Ouais, le problème c'est que tu l'as amené vers moi aussi en fait. Oh putain, mais. Ah merde, bah prends un coup pour moi. Ah, bah attends, je sais pas où elle est là en fait. Bon bah trop. Ah, elle est en train de casser le gène. Bah elle a pété en fait. Elle a pété. Elle me suit toujours ou elle est sur toi? Je crois qu'elle vient sur moi. Je crois qu'elle vient sur moi. Putain, mais quelle salope! T'es pas mon kit de soin, ça, Killian? Bah écoute, Brian, faut pas gâcher. Oh, c'est trop con! Oh, mais non, mais c'est putain, mais vas-y, mais pourquoi y'a des caisses là, bordel? Putain de jeu de merde. Ça sert à rien. Je sais pas où elle est là en fait.
Mais là, fallait se cacher dans le casier. Non, c'est mort. Pas envie de mourir, moi. En vrai, Enzo, si elle te voit pas prendre des trajectoires improbables, elle arrive pas à prédire là où tu vas. Non, elle est en train de me suivre, c'est une pute. Quand elle te regarde pas, quand Enzo, quand elle voit pas où tu vas, prends des trajectoires complètement connes. Non, elle est derrière moi, je crois. J'entends sa musique hyper à fond. Oh putain, elle est en train de se toquer, c'est pute. Oh merde, pardon, Kian, je savais pas que t'étais là. Je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Et sur moi ou sur toi, c'est moi ou toi? Bon, on a échappé, Kian échappé et Enzo, du coup, pour chasser, échappé. Je fais ça juste pour sauver le jeu de Kylian, mais comment elle sait? Putain, j'ai paniqué. J'ai bientôt fini le jeu, je suis en train de le refaire là. Non, d'accord, t'as mis pour des dards trop. Ouais, non, là je l'ai calé n'importe comment, frère. Mais putain! Quoi? Oh la pute, elle est revenue! Ouais, c'est une salope, elle est revenue sur toi. Elle est vraiment obligée de protéger les générateurs jusqu'à la fin. Non, mais par contre, c'est vraiment con ce qu'elle a fait parce qu'elle a jamais pu se faire niquer. Et là, ça sert plus à rien, les générateurs, fais les cherche-attrape. Ouais, c'est que... Non, à côté, une autre est plus lui qu'elle a parlé dans la gueule. Je crois qu'elle t'a vu, hein. Oh, attends, ouais. Attends, je vais peut-être me libérer. Ah non, il y a un crochet, là. Ah, mais... Ah non, il était pas encore bouffé, celui-là. Putain, c'est pas contre toi, Kylian, mais là, je me casse. En fait, les tueurs sur lesquels on tombe depuis tout à l'heure, ils sont nuls, mais... Je sais pas, ils sont sur vous directement. Oh, putain, ma chance. Ah yes, je peux aller user. Merci à Will. Merci à Will. Attends, pour l'instant, je vais pas courir. Non, mais non, mais là, par contre, si elle arrive vers moi là, c'est que c'est vraiment un cheat. De toute façon, Enzo, tu saignes, donc elle voit quand même des traces de sang, donc autant courir. Mais au bout d'un moment, elle disparaît, mec. Oui, mais tu saignes quand même, que je sache, donc De toute façon, elle va pas s'arrêter de couler, non? Bah en fait oui, ça s'arrête pas de couler, mais... Bah là en fait, là je marche, mais partout en fait. Là je marche, mais partout. Mais là j'ai pas de frisson, là j'ai pas de frisson, donc... Dès elle va à l'autre bout, vas-y quoi, je me laisse crever. Ouais, là t'es obligé, mec, je pourrais rien te faire. Trouve la trappe. Kylian a fait une game de 12 minutes et 41 secondes. Et la trappe, elle est improbable. Peut-être dans le sous-sol, non? Non. Mais attends, t'inquiète. Non, de toute façon, Enzo, il le verrait avec laissé pour mort. Là, normalement, il a son laissé pour mort, il est activé. Ouais, il est activé là. Là, tu vois la trappe là? Dès que je suis proche. La lumière rouge à côté m'avait fait peur, j'ai cru que c'était l'autre. Ah, trouvé là. Oh putain! Fais pas de bruit. Je suis un peu obligé là. A tous les coins, les deux dessus, attends une double, on va le buter. C'est qu'en vrai, j'y pense. Putain, j'ai peur là, porte-tête de cul. Attends, c'est bon, tranquille. Pas possible. C'est quoi, bon, les couilles. Non, mais passe dedans. T'inquiète. J'ai juste une palette pour la troller. Et là, imagine, pendant que tu as renversé ta palette, elle se téléportait sur la trappe et elle l'a refermée. Ok, c'est fini. J'ai reçu deux trophées. Enzo a survécu en ayant fait une game de 13 minutes et 39 secondes. Tandis que Kian a fait une game de 12 minutes et 41 secondes. Et du coup, Willow a fait une game de 8 minutes et 45 secondes. Tandis que moi, j'ai fait une game de 5 minutes 30. Félicitations. Par contre, merci Willow pour ta trousse de soie. J'ai décidé pour laisser partir la zone. Bah, franchement, là, j'étais un peu obligé, mec. Allez, j'ai une félicitation. Il y a pas trop de gens qui a cheaté. Vraiment, t'as fait juste kiffer de tout le monde. Tu de chaque personne quand est-ce qu'il meurt, quand est-ce qu'il vit, et trucs comme ça. On peut juste kiffer ça. Juste, j'ai survécu pendant 12 minutes sans lâcher une seule palette. Mais je crois que t'as bien fait parce que, genre, les palettes, je crois que c'était plus un défaut. Enfin, non, il y a un moment, une palette m'a sauvé. Parce qu'en fait, elle s'est vraiment TP sur la palette. Non, en fait, moi, j'ai tué une seule palette et cette seule palette m'a sauvé. Par contre, en fait, elle était obligée de TP pour aller de l'autre côté. Et si elle venait à pied, bah, du coup, elle est de passer de l'autre côté à chaque fois. Je le sais parce que c'est carrément une quête pour moi, en fait, de lâcher une palette pendant que tu me poursuit. Willow, mais prêt. Willow lance. Parce que Brahim lui il fake là, mais moi c'était vraiment une vraie tout par contre. Je regarde les paires, vite fait. Du coup, je disais aussi que d'ailleurs, en fait, il y avait une palette. En fait, il fallait que je la baisse. En fait, genre, je l'ai baissé un peu avant, mais genre. Enfin, genre, elle était pas juste derrière moi. Mais je l'ai baissé un peu avant, mais vu qu'elle s'était payée sur la palette, en fait, ça l'a mis KO direct, je crois. Ouais, attends, j'ai 52 points. Alors, c'est vrai, c'est tellement dommage comme Bob. Moi, j'aime plus en fait le Bob. Genre, d'ailleurs, toi, t'as des mots là. Les viewers, ils détestent les mots et la Bob. Oh, c'est tellement dommage en jouant à la Switch. Attends, t'as réellement les couilles, genre.
J'avoue. Ah oh, mais c'est tellement qu'ils aiment pas les démos. Oh là là, mais bon, bah royalement les pouces avec ma team déchets là de Paris. La déchetterie de Paris, laisse-moi. Ah putain, il me reste que des verres, mais tout le monde. Oh non, l'engrenage, il veut prendre l'engrenage. De toute façon, je suis bloqué, je peux rien prendre. Non, une autre aurait dû prendre l'engrenage. L'engrenage, en fait, si tu le mets dans une boîte à outils, c'est ce que t'aurais fait. Je peux décrocher, crocher, plus rapidement. Il aurait fallu que tu fasses deux QTE plus ou moins difficiles, mais genre si tu réussissais les QTE, ça te fait des 25% de générateur instant. Sympa. Mais le problème, c'est que je prends jamais les boîtes à outils. En fait, en ligne, par quoi je prends jamais aucun objet en fait. Moi je dis en vrai de vrai, ouais, moi aussi je prends aucun objet. Mais en vrai de vrai, moi je dis en fait, j'ai pas envie de prendre d'objet, mais je prendrai les objets quand on aura tous une boîte à outils avec, comment dire, avec l'engrenage du coup, vous voyez. Mais le truc c'est que. Mais par contre, Brahim, tu dis ça, mais je crois que sur Jake, je les ai les engrenages. Attends. Si j'enlève cette petite trousse de soins là, que je prends une boîte. Attends, Gao va prendre une boîte comme ça, parce que comme ça au moins voilà. Ouais, tu vois, j'ai trois engrenages déjà. Après, est-ce que Willow il l'a ou pas lui aussi? Non. Je crois pas. Voilà. En vrai, j'ai plein d'accessoires et tout, mais jamais. En vrai, c'est une technique de salope, mais ça me permettrait de gagner quoi. En fait, le truc, c'est dès que j'ai un objet, c'est que c'est forcément un objet que j'ai récupéré à la game d'avant. Voilà. C'est pour ça que là, je garde la trousse de soins de Willow en fait. Enzo, tu parles quand même à un mec donc qui a quand même comme père instinct de pillard. Ouais, je sais, mais je veux dire en gros que à chaque fois qu'on voit, à chaque fois que je suis en ligne et qu'on voit un objet dans mes mains, ça veut dire que je l'ai récupéré à la game d'avant sur un ami mort ou dans un coffre. Non, Kylian, non. Non. Kylian. Quoi? Une facta bug. Non, c'est un mec qui m'a, c'est l'infirmière d'avant qui m'a envoyé GG. Je crois qu'elle t'a envoyé. Bah non, mais juste en même temps, t'as vu ma réaction aussi? C'était quoi ta réaction? Bien d'année, quelle la bug? Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Je m'attendais pas en fait à ce que le mec d'avant il m'envoie GG, tu vois. Il a dit quoi en gros le mec? Il a dit GG. Le mec il m'a envoyé GG. Le mec d'avant il m'a envoyé GG en fait. C'est pour ça que je pensais au début je pensais qu'il allait genre t'insulter tes grands morts. Il a envoyé GG parce que du coup t'es suicidé. Ah ouais, attends, je comprends pourquoi il devrait insulter tes grands morts à toi, à tous ceux qu'elle t'a tué quand même. Ce sera un peu bizarre. On m'a rendu. Enzo, comment tu savais que Ken était prêt sur ce truc en gros? Hein? Comment tu savais que Ken était pas sur ce truc? Comment ça? T'avais cru que Ken avait bugué, mais comment tu savais? Je sais pas, parce qu'il a fait un. Ok. Tu sais, le message m'a surpris en fait. Mais au début, moi du coup, je pensais qu'il. Là, d'un coup, je vois. Qu'il était en mode quoi, ma Xbox a bugué encore? Tu vois, un truc comme ça, genre. Juste en mode non. En vrai, moi j'hésite à améliorer Ace pour avoir du coup Ace dans la manche. Je sais pas, moi j'améliore Claudette pour avoir prophylaxie, après sûrement améliorer Bill. C'est pas mal Ace dans la manche parce que du coup, avec un peu de chance, je peux trouver une clé en plein dans le truc et puis voilà quoi, tu vois. Je pense que là pour l'instant j'améliore que Claudette. Après, il y a le tueur aussi, faut que j'améliore la harpie pour avoir ruine. Sinon, il y a quoi aussi? Il y a. Attends. Non, personne échappe à la mort. Non, franchement, la file d'attente elle est pas très longue, je trouve. Espion de l'ombre, je l'ai. Ça dure 20 ans. Faut que j'améliore l'harpie. Ah, après l'harpie, faut que j'améliore l'infirmière pour avoir vocation de l'infirmière. Mais sinon, toujours plus longue les games. T'as vu? C'est chiant. En vrai, c'est chiant, Marc. Endo, toi t'as une restriction de temps, du coup, c'est ça le pire. Ah. Mais là, en fait, on aura fait que 3 games en un stream complet. Hein. Le pire, c'est que tu vas pas la semaine prochaine. Un live où on se fait éclater. Enfin, une game où on se fait exploser, une autre game on se fait encore exploser, mais il y a eu un survivant. T'es même pas la semaine prochaine, donc on pourra même pas jouer avec toi, c'est ça le pire. En fait, bah la semaine prochaine, c'est cette semaine. Bon, en fait, limite là, c'est vraiment genre la dernière game, et les dernières games qu'on fait avec toi, elle est 10 000 ans avant de lancer. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer. Écoutez-moi, chers amis, je fais ma pub, j'en ai rien à branler. Juste après, je lance mon stream. Le pseudo de ma chaîne, c'est mon pseudo sur Xbox, donc vous savez où la trouver. Y'a personne qui m'écoute, c'est un pour bonheur. On va rajouter la musique là. Ah, mais attends. C'est la musique de pub là. Ah, mais si en fait, y a deux. Une musique d'ascenseur. Ah, mais y'a deux personnes qu'on connaît pas en fait sur le. Bah, en fait, je passe au courant, mais y'a pas de personnes. De quoi tu parles? Moi, je vois que trois personnes, mec. Et je vois dans spectateur, je vois Modo et en fait, ils sont pas comptabilisés avec les spectateurs. Modo et Brahim, ils comptent pas, je vois. Je vois diffuseur, il y a Enzo.
Modo, il y a Brahim et Wisebot, et puis spectateur, pas t'as deux. Je sais pas. Tu peux répéter parce que j'ai bugué au moment où t'as dit le troisième truc. Tu me casses les couilles. Ah oui, t'as pu voir le. En gros, tu vois, Enzo, t'es sur tablette, t'es d'accord sur ta tablette ou un genre. Non, je regarde sur l'ordi. Abby, il y a trois spectateurs. Mais le problème, c'est que moi, dès que je clique sur les trucs comme ça, ça fait un. C'est pas pareil, genre, c'est un autre truc. Ok, bah en gros, en fait, genre, tu peux voir le diffuseur, les modos et les spectateurs. Et en gros, mais... bah, du coup, en modo, il y a moi et Wisebot, et en spectateur, du coup, il y a Kian et deux autres personnes. Mais le truc, c'est que c'est un peu buggé, je crois, parce que, en fait, j'explique, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois ça avant. Mais en fait, le truc, c'est que je crois que ça comptabilise aussi les mecs qui étaient passés, en fait, et que ça reste bloqué sur eux, je crois. Ah, c'est possible. Bah écoute, quoi qu'il en soit, parce que histoire quand même que ce soit plus agréable. Mais ouais, c'est qui a pris aussi le plat à noter là. C'est pas moi. Ah, c'est Enzo qui a pris un gâteau. Enzo, je t'aime bien. En fait, le gâteau est resté en fait. Kian a pris quoi, Kian? C'est là où j'ai défoncé. Pris... Je prends juste une offrande qui m'augmente ce côté. En vrai, le gâteau d'avant m'a mis archi bien, mais si j'ai réussi à m'enfuir. Moi j'ai pris un gâteau. Mais toi, c'est déjà. C'est bon. Ah, t'as parlé à Willow, pardon. J'ai cru entendre. Oui, j'ai demandé à Willow en fait. J'ai entendu. Mais en vrai, le truc, c'est que j'ai que entendu le haut en fait. Hein, moi, j'ai pris. J'ai pris un espèce de sac. Un espèce de sac avec des plantes et 50% de points de sang. Imagine en fait, c'est le tueur, il a pris un plan à noter lui aussi, mais genre, c'est une version inversée, genre moins de chance que ça apparaisse. Ouais. Bah, je pense, ouais, c'est le tueur, je pense. Genre lui c'est moins de chance et moi c'est plus de chance, donc du coup ouais. on se voilà quoi. T'as rien pris toi Kylian, c'est ça? Merci le vent. Kylian! Merci le double vent. Je fous. Merci le triple vent. Merci le triple vent. Kylian, t'es mort merci ou t'es mort? Non, je suis mute parce que je parle à ma soeur. Ah super. Bon, du coup les gars, du coup t'as rien pris, c'est ça qu'il y a. En offrant, je parle. Oui, bah celui-là, c'est celui de Resident Evil là, avec. Je suis sur un gène, tout seul, je vais mourir. Quoi? Je suis sur un coffre, tout seul. Tout seul, je vais mourir. Tout seul, je vais mourir. C'est quelqu'un vu ou pas qui quelqu'un c'était? T'as dit quoi, Jackson? Oh putain, il arrive vers moi, mais quel trou du cul! Et c'est qui? Oh putain, c'est Nemesis! Il y a des zombies! Y'a des zombies? Oh merde, c'est Nemesis. Ouais, y'a des zombies donc. Ah, c'est un zombie ça! Kian s'est confondu avec un zombie! Oh merde! Dégueulasse à ce point! Putain, mais Nemesis, ce qui me fait flipper, c'est que lui, sa musique est différente et elle est encore plus stressante parce qu'elle est plus violente. Brahim, alors juste pour Nemesis, Putain, les gars, c'est. Celle-là. Non, putain, ouais, non, là, on a vraiment pas de chance parce que là, c'est une meuf qui est bien pour Nemesis, non? Ouais, avec les zombies, c'est un peu emmerdant en vrai. Ah putain, ouais, là, on va être baisé. Mais moi, j'ai un zombie en dessous de moi, mais il m'a pas repéré parce que je suis au-dessus. Je crois pas que ça compte les étages, non? Oh, GG! C'est pas moyen de s'enfuir, assis par ici. Oh putain, y'a un cloche qui sonne, bordel, les zombies vont être attirés. Faut tous le faire, ça. What? C'est bon, il y a eu un méga boost de la mort sur mon jet. Oh non, 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 on a compris, tu sonnes, c'est bien, allez, ta gueule. Brahim. On a compris que les 12 coups de minuit, c'est bon, merci beaucoup. Sur les 12 coups de minuit, la nérée est couillée. Je sais pas pourquoi je sors de là, ça s'est fini, mais on disait les 12 coups de minuit, mais c'est pas grave. Olivier, quoi. Olivier. Je vais me taper un Olivier. Oh, c'est bon, je crois que ça. Putain, mais reviens vers moi, ton cul. Ah! Ah! Il est mort où? Il est mort où? Mon cul! Ah, il est mort là! C'est la hesse! J'ai entendu un zombie me foncer sur la gueule. Et un zombie me suit, donc je pense que les médias ne vont pas tarder à venir sur la gueule. J'ai peur, maman. J'ai peur, maman. Oh putain, Brahim, le zombie il arrive vers moi, tu fous ma gueule. Ah, mais je l'ai dit. Oui, mais je pense que le zombie il arrive vers moi, tu fous ma gueule. Il m'a perdu du. Mais je lui ai carrément dit mot pour mot, il y a un zombie qui vient sur notre gueule, tu pourrais aimer de te battre. C'est vrai, je confirme. Et en plus, t'as toi, il y a la rediff. Dans tous les cas, il y a toutes les preuves de la terre entière.
Alors je cherche des gènes avant de sauver Willow. Oh non, non, dis pas qu'il m'a vu, me dis pas qu'il m'a vu. Putain, il m'a vu, ce trou du cul. Oh, il a raté. Alors toi t'es vraiment une grosse merde, tu vois, toi t'es vraiment une grosse chiasse qui pue du cul, tu vois. Pardon. Oh, t'es vraiment une chiasse qui pue du cul, mec. T'es vraiment nul à chier. Maman, pas arrive par là. Tu m'attires. Allez, allez, tu pues du cul, allez, allez, ça dégage. Vous êtes parti sauver Heartbrain à Willow ou pas là? Mais non, moi j'ai un Nemesis dans le cul. Je crois que c'est mort plus Enzo. Enfin, je l'ai pas dans mon. Je l'ai pas dans mes fesses, mais tu m'as compris. Ah, le cœur te campe. Mais oui. Ah putain, il est revenu tout camper. Oh là, sale. Pardon, pour pas dire trop de gros mots. Putain, je suis revenu à mon gène. Merci de rester sur le coup de tentacule. Bah écoutez, en vrai, mec, le Nemesis, il pue du cul. Pas de dégénérateur, hein, désolé. Là, c'est ce que je fais, vu que. Je pense qu'en fait, c'est dit. Là, il y a tellement de gens qui a été fait hyper rapidement. Que. Quand Willow pour avoir à mort. Pourquoi personne n'est parti sauver Willow sinon? Parce que moi, j'avais un Nemesis au fesses, Brian. Mais t'as le sauver. Mais je pouvais pas, j'ai sauté dans la cour. Le temps que je revienne, il allait quand même mourir, Willow. En plus, et après Willow il a dit qu'il campait, donc ça veut dire que j'avais aucune chance de venir le sauver. Oui, t'as tué. T'es chargé? Non, bien sûr que non, bien sûr que non, non. Tu m'as dit, mec. Je veux dire, il t'avait attrapé ou il t'avait mis un coup de tentacule ou un truc comme ça, je veux dire. Non, il m'a mis un coup de poing, j'étais en train de passer une palette et que j'étais à la fin de la palette. Mais littéralement, genre à la fin, genre, je m'étais déjà relevé et le bel, son poing, il a autant de forcé que ça, tu vas me dire. Kian va t'occuper de. Tu vas me poursuivre, je crois. Non, il te. Brahim, il te campe? Oui, totalement, parce que c'est une salope qui s'est pas jouée. Oh putain, mais quel noob! Vas-y, Enzo, fais ton générateur. Est-ce que je fais. Il y a un mec qui a deux zombies à côté de lui, donc cherche même pas. Franchement, Brahim, là, tu choses bien sur ton crochet posé. Au pire, attends, peut-être qu'il va bouger dès qu'il y aura les portes. Il y a moyen. Il va te finir ton générateur, Enzo? Dans 2 secondes. 0. Oh bah écoute, j'ai commencé à monter sur Brahim. Ah pardon, 3 secondes. Attends, toi je suis à côté d'une porte, je l'ouvre. Moi aussi je suis dans une porte. Non, le mec il préfère quand même camper que aller voir dans les portes pour vous empêcher de partir. Mais il a bougé là, non? Il a allé extrêmement loin, mais à tous les coups il va revenir. Voilà, il est revenu, c'est ça. Il va largement venir seulement pour comprendre un kill plutôt que d'aller chercher les autres et tenter le quadruple kill, quoi. Vraiment, ce mec n'a pas de couilles. Ok, bon, j'ai quasiment ouvert la porte à la carte. Moi, la porte à droite de Brahim, je la termine, enfin, je la mets à la carte. C'est bon. Ah, mais t'as toi, les gars, tout ce que t'as à la perte, c'est vous enfuir, les gars. C'est bon, vous occupez même pas de moi, c'est bon, on s'en bat les couilles. Enfin, à tous les coups, les gars, vous allez venir me sauver, et ce qui va perdre, c'est qu'il va me focus pour frapper pour pouvoir me tuer et me remettre sur le crochet, les gars. Ouvert la porte, Kylian. Ah merde, putain, je sais même pas où la porter pour me battre. Vas-y, vas-y, Enzo, casse-toi, Enzo. T'en es sûr? Cache-toi. Oh putain, y'a un zombie! Ah, je suis barré. Le problème, c'est que j'ai pas d'escalier à côté de moi en fait. À tous les coups, Nemesis, il va juste me focus pour me mettre KO. Il va même pas tenter de focus cette vidéo comme ça et voilà quoi. En vrai, y'a moyen. Mais... Ah putain, mais en vrai, il meurt pas grave. Comme on a l'étage au-dessus, le temps pour descendre à l'étage en dessous et tout comme ça, le gars, il a le temps de venir nous focus quoi. T'auras à peine le temps de venir sur Brahim. Mais il est sur toi là, Brahim? Non, pas du tout. Bah, en vrai, vas-y, t'as le temps. Le tente! Ah, c'est chaud, t'auras pas le temps. Ah, mais fonce! Ah merde! J'avais pas vu qu'il était totalement. Putain, mais quel jeu de merde! Mais c'est incroyable! Mais parce que j'avais pas vu sa barre, il y avait une frisson et j'ai flippé! C'est pas un. Le ciel frisson, c'est juste qu'il fait ta. Mais j'ai cru qu'en fait il allait direct être là en fait! De toute façon, s'il venait, il t'aurait vu quand même, alors autant le sauver. Oh, c'est grave. Bah, ah, bah, c'est clairement pas loin. Ah, c'est dommage. Ah non, il était pas loin. Le c'était bon. Allez, salut. Ah, mais. Attends. Elle est où la limite? La limite, c'est un peu devant. Ah, peut-être les. Bah, merde. Et moi aussi, je la connaissais pas la limite. C'est bien sûr la limite. La limite, c'est une limite à ne pas dépasser parce que sinon vous vous faites frapper. J'avoue.
film, il me savait pas dit non. Niveau 48. Niveau 48. Ouais. Parce que du coup, je retiens que Henry Kanuku soit en puits, donc en gros, Henry a fait une game de 7 minutes et 34 secondes. Tandis qu'il a fait une game d'à peu près 6 minutes, voilà, à peu près. Et moi, j'ai vécu 6 minutes 47 avant de crotter. En fait, moi, je voulais retenir le tueur le plus longtemps possible, mais je connaissais pas la limite pour s'enfuir, du coup. Ah, en gros, t'essayais d'esquiver ses tentacules, quoi. Le problème, c'était pas là, c'est que le tueur, au moment, c'est un petit peu plus, t'as campé, quoi. Le pire, c'est qu'il était nul, le pire. Quand je dis qu'il était nul, c'est que j'ai vraiment. D'un moment, il était. À un moment, il était derrière une palette, et en fait, il essayait même pas de casser la palette, il m'a essayé de mettre des gros coups de tentacules, et j'en ai esquivé 3. En vrai, on peut rien dire, c'est une technique comme une autre, quoi, le camping et Ouais, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il a perdu ce boule. Au bout d'un moment, quand il a vu qu'il y avait 3 lunes déjà fait, je pense qu'il a perdu toutes ses courages. C'est compréhensible en soi. Donc voilà pourquoi c'est compréhensible, mais. C'est un peu salaud, quoi. C'est compréhensible, mais c'est un peu salaud. Voilà, faut le dire. Mais l'autre, je pense que c'est encore. Donc en fait, c'est pas intéressant ni pour toi ni pour le tueur, mais bon, écoute, c'est une stratégie. Ah, je pense qu'il s'est dit, bon, autant essayer quand même d'avoir des kiffs. T'as pas le choix, en fait. Pourquoi tu devrais laisser partir les survivants si c'est juste pas fun pour eux, quoi? Oui, ça c'est vrai. Camper et tunnel quand t'as des gen rush comme ça, d'accord, mais tu campes pas au premier crochet. Mais ça, c'est parce qu'il est nul. Parce que quand tu te prends en gen rush, c'est que t'es nul. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en gros, t'as mal fouillé les gènes. En fait, tu peux pas prédire où sont les mecs de début. Enfin, si, en vrai, il a. En fait, c'est. Moi, je sais pas. Moi, quand je commence une game et de tueur, bien sûr. Et en fait, j'essaie de voir dans la logique où les survivants et ses rôles spawn, en fait. Déjà, les gènes qui sont juste à côté de toi, c'est mort. C'est de la RNG, en fait, Enzo. Sur le début, ça, c'est. Tu sais même pas. En fait, si, parce qu'il y a une certaine logique. C'est un peu aléatoire, mais pas totalement, genre. Il y a toujours une certaine logique. C'est-à-dire mais il y a certains gènes où ils spawneront jamais, genre. Non, non pas c'est sur toi, sur qui, c'est tout. Mais moi je te dis, mec, à chaque fois que j'essaye à peu près de dire, ok, dans certaines logiques, je pense qu'ils seront plus vers là. Bah, mec, ça a toujours marché pour moi. Bon, peut-être à de très rares occasions, je le dis par contre, à de très rares occasions, ça n'a pas marché. Mais mec, le plus souvent, ça a marché. Donc. Le plus souvent, ça a marché. En plus, des fois on se fait gen rush, mais les mecs, c'est parce qu'ils ont ramené 4 nouvelles pièces, là, tu sais, le rouage. Mais putain, Nodo. Qu'est-ce qu'il a fait, Nodo? En fait, il y a un mec, sur le serveur, il a donné du coup Nodo, qui est du coup le mot de Nodo. Le mec, il a brûlé le ventre en faisant des nuggets. Vous faites quoi? Mais il l'a fait. DBD. DBD. Ah non, pas DBDS. Ah non, pas DBDS. C'est un mélange entre ZB Daylight et Dragon Ball Super. DBDS. Bref. ZB Daylight et on va te viander. On va te viander. What? Qu'est-ce que c'est? What? Ah, c'est Kylian. Mais notre modou ont du talent. Oh putain, le trolling. Comme d'hab. Ah, je pense que ça peut être un bon acquis pour t'acheter un nouveau casque. C'est bien. Ah, mais t'es sur un stream. Ça prend pas tant de temps pour lancer une game, franchement, les gars. Je trouve que le jeu, on se plaint beaucoup trop pour rien. T'es parti regarder un stream d'un mec, c'est ça, Kylian? Ouais. Parce que j'ai entendu. Oh, Kylian! En tout cas, c'est cool, on a trouvé. Là, j'ai l'impression qu'on l'a trouvé plus rapidement en vrai, non? Vous pouvez mettre prêt les petits gros. Bon alors, prêt. Il reste plus que. Ah ben non. C'est déjà prêt. It's ready.
Petit gâteau, bien sûr. Plan à noter gâteau, et couronne de chouette, t'achetez des votes. Mais j'ai bugué pour dire ce nom. Alors, Willow, est-ce que c'est un tueur que tu ne connais pas? Non, je ne l'ai pas. Ok, donc c'est un tueur que tu as déjà forcément rencontré plusieurs fois, à peu près, normalement. Et là, t'as vu pas ce qu'il écrit? Allez, je prono un... T'as vu pas ce que j'ai écrit sur le live? Moi, je dis... Frodo Montagnard. Moi, je dis, c'est une... Attends, c'est une trappe, voilà. Peut-être parce qu'il y a une image de trappe devant moi, je sais quoi. Moi, je dis, c'est soit un cochon, ou soit... Kylian, t'es là, hein? Soit le mange tes morts. Kylian, t'es là ou quoi? Moi, je dis soit le Montagnard, soit le... Merde, c'est qui que je voulais dire, déjà? J'ai dit le docteur. Bon bah Montagnard juste parce que j'oubliais c'était qui, je pensais à qui. Docteur. Ah putain surtout, moi je crois que celui que j'ai vraiment pas contre qui jouer c'est Docteur. Pourtant j'aime bien le jouer hein, mais jouer contre lui, je peux dire que c'est vraiment super chiant. Ah, c'est kiffant de jouer contre lui. J'ai pas dans le boule. C'est pas du tout carrément chiant quand tu te prends un méga coup de jus dans la gueule qui va te rendre hyper fou. Non pas du tout. Pas du tout. Quand t'as une clé non. Ah putain! Quand t'as pas de clé, si! Ah ouais! Mais sûr que c'est plus chiant là! C'est bon! J'ai arrêté de bugger, j'espère! Alors, Kian, du coup, t'as vu ce que j'ai écrit chez Nolélé? Ce que j'ai écrit chez Nolélé? Je te baise! Pourquoi j'ai écrit ça? En fait, j'étais sur le live de Nolélé, et en fait, le gars, il a écrit: Bien, je joue à The Spy Daylight avec des amis actuellement! Très bonne game, les gars, j'ai passé le meilleur moment de toute ma vie! Alors du coup, c'était quoi comme tueur du coup? Qu'est-ce qu'il a gagné? C'était un... Ah, c'était une infirmière. Donc, bon, c'est pas si mal en fait. Un quoi, Montagnard? C'était une infirmière. C'était une infirmière. Non, c'est une infirmière. Salope. Infirmière, ah, ok. Salope. Par contre, on aime pas que ça me consomme un gâteau sacrificiel, cette merde. La vérité, je voulais dire soit le docteur, soit infirmière. Mais du coup, on me dit, non, vas-y, je vais juste rester sur un seul choix, docteur. C'est ça que je pensais. Dans ma tête, genre, je pensais au Montagnard, mais j'avais aussi une petite pensée pour l'infirmière. Mais j'avais aussi une petite pensée pour l'infirmière. Vraiment, en fait, au bout d'un moment, faut pas fermer nos gueules, des fois, faut le dire. Faut vous essayer. C'est ça. Ah, c'est là, tu veux t'avoir ce que j'ai dit, parce qu'en gros, un grand pédure là, on fait sur le live de Lélé, et ce qui m'a fait c'est qu'il a dit, bien, je joue à Dead by Daylight avec des amis actuellement, donc je risque de pas suivre le stream pour l'instant. Ok, et toi, t'as mis quoi? Et moi, j'ai écrit, je suis, c'est qui t'as pas, ce pote? Hein? Hein? Il écrit, moi, je suis avec cet qui t'as pas, ce pote. Albatar. Au début, en fait, j'ai cru que t'étais vraiment cash et que t'avais écrit je te baise, en fait, vu qu'il aime je te baise. J'avais cru qu'il avait lu je te baise, en fait. Donc c'est en mode, ouah, bah attends, c'est un peu violent. C'est le mec qui se prend un je te baise gratuit, tu sais. Non, Willow, le bouton prêt aussi. Pardon, pour ce bruit très étrange. Très étrange. Mais c'est un, du coup, c'est votre streamer DBD là, non? C'est votre streamer DBD là, non? Non, du tout. Notre streamer Pokémon est là. Ah oui, putain. Ah oui. Actuellement, il fait un stream sur Assassin's Creed Valhalla. Ah, sympa. Et je, une fois qu'on aura terminé de jouer, je vais probablement aller sur son stream et dire de la merde pendant 10 minutes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les Vikings sont très mauvais. Alors, non, j'ai un humour plus raffiné que ça. Non, pas du tout. Pas du tout, ça c'est vraiment le niveau d'humour de Kylian. Alors. Mais comme d'hab, on se fait chier hein, quand on attend. C'est le mec, ça va, tranquille, la vie. D'accord, en fait, je parle à des morts, ça marche. Ouais, totalement, tu vois. Mais dire que moi, je suis en train d'écrire un truc sur le live, en fait. T'as à chaque fois qu'on écrit un truc, on est concentré, mec, quand c'est pour écrire un truc. C'est abusé. On est tellement concentré. Genre, Kylian, lui, à chaque fois qu'il est concentré, c'est vraiment pour une blague nulle. Brahim, lui, c'est pour. C'est un peu plus. Intelligent, je pense. Bon, Willow, je sais pas parce que voilà. Alors, je suis pas sûr que ce soit vraiment intelligent. Ah, c'est pas intelligent là, c'est une blague nulle.
Je l'ai mis en fait, en gros, tu peux prendre des caramels sur les lives. Vous savez, moi je l'ai mis, sinon tu me donnes un caramel pour le décalage du live. Oh putain. Merci, bye. Alors. Ah, oh, mais c'est abusé. Bon, je vais pas dire ça au cas où, mais... Putain, c'est... Ouh ! C'est qu'il a dû bien charbonner, là. On va pas se mentir. Bam, bam. En fait, tu vois, nous, en fait, on a un délire, en fait, du coup, Nolé, lui, il avait commencé trop tard, enfin, il avait commencé plus tard, parce que du coup, sa famille était rentrée, ils sont partis dans un resto, et du coup, sur le serveur, on s'amusait à faire voir, il m'a dit, tu payes un resto, comment tu sais que tu oublies ta commu, et trucs comme ça, tu vois. Et du coup, là, vas-y, tu me dois un caramel, il a fait, comment ça, un caramel? Et je lui ai fait, et soit un caramel, soit un resto que tu payes pour tous les autres, et pour moi, et minimum 4 étoiles, par contre, le resto. Et ah ouais, t'es violent, toi. Les gars. Le mec va super loin. 4 étoiles minimum. Sinon. Ouais, et il a fait j'espère que vous avez pas trop faim, les gars. J'espère pour lui aussi. Déjà vous, allez, baby, we continue. Brahim, il est parti en couille. Et bah, attends, il est dur tout que dans à peu près 4000. Comment ça s'appelle déjà? Point de sang, je peux acheter des javous niveau max. Des javous! I'll beat it with a tingle! Hey, man, it won! On est content pour toi. De quoi, t'as dit quoi? Rien, reste dans ton délire. C'est pas un délire, c'est une référence. Oh là, mais ferme ta gueule! D'accord, c'était gratuit. Pourquoi autant de violence dans ce monde de haine? Que certaines personnes le méritent. Comme Kylian? Non, pas Kylian. Ah, pas Kylian, d'accord. Est-ce que tu as une information sur le tueur, Jackson? Non. Très bien. Ta gueule? Pardon. C'était un peu gratuit, mais en même temps, j'ai pas fait. Enfin, bref. Alors. Maintenant, les gens, ils disent ta gueule à leur téléphone. Non, techniquement, j'ai dit TG à une personne qui était actuellement en train de parler sur Instagram. Voilà. Ouais, donc tu dis ta gueule à ton téléphone. Oui, on peut dire ça, ouais. Oh, sa mère la pute. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh, mais c'est trop stylé ça. Oh, je vais crever comme une grosse merde. Oh non, c'est bon. Mais t'es en train de jouer à quoi, Willow? Tu vois, il a le clavier pour Dead by Daylight et la souris pour Battlefield. Et comment il avance? Bah, j'avance avec mon clavier. Ah, d'accord. En fait, j'ai 8 claviers et 8 souris. Sympa. Le mec il joue à 8 jeux en même temps, tu sais. Je pense que si tu joues à 8 jeux en même temps et que t'arrives à te concentrer sur 8 jeux en même temps, je pense que tu fais une crise cardiaque. Hein. Bah mec, tu sais quoi, j'arrive à me concentrer sur 2 voire 3 jeux en même temps, mec. Non, mais pas 8 frère. Oh putain, il arrive. Montagne, c'est un montagne quoi. Putain, mais il est en cours. Les deux jeux, genre, c'est pas grave. Genre, je prends avec une main, je joue à la manette, avec l'autre main, je joue avec mon téléphone et ma tablette, je joue en même temps, tu vois, genre tranquille, deux doigts et deux doigts. Mais par contre, 8 jeux, mec, il me faut plus de 2 mains là. 8 jeux là, soit t'es flash, soit t'es un mutant. Non, je suis un extraterrestre. J'avoue. Pour info, c'est un montagnard, les gens. Enfin, les gens, enfin, je parle à Kylian et Brahim. Mais quoi, mais il revient vers moi.
Willow des merdes. Oh, et non, tu t'as pas vu ce qui s'est passé, mais t'as vu. Moi, je laisse Willow se faire courser qui va mourir dans. Et donc, je vais aller à un endroit en fait, et là, je vois Willow. Bah, maintenant, je commence, en fait. Du coup, je commence à vouloir rester au même endroit que lui, comme ça à droite à gauche, et je me demandais pourquoi il était blessé. Et là, du coup, je vois le montagnard sortir juste derrière lui. Oh putain, il est passé juste à côté de moi, frère. Attends, Willow, j'arrive à te sauver. Hein. I'm coming for. Mec, c'est une dinguerie, on voit même pas. Et non, Kian, il joue, il est mort. Il est mort, ok. Il est mort. Bonne nouvelle. J'étais pas au courant. Ok, Willow, casse-toi bien loin. Moi, je reste dans le buisson pour le. Moi, je reste dans le buisson. Non, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Putain, Willow, t'as fait. T'as merdé. Putain, Willow, t'as fait. Moi, je suis dans sa cave. Je suis dans sa belle cave. Putain, j'ai cru qu'il m'avait vu. J'ai flippé. Je suis sorti du bush. Putain, il m'a vu. Il m'a vu. C'est une dinguerie. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Mec, je suis dans le buisson, il m'a pas vu. Mec, c'est dinguerie. Ah merde, t'es là. Attends, je passe, t'inquiète. Ah merde, t'es là. Attends, les gars. Mec, on peut être à deux dans mon buisson, si tu veux. Mec, là, il me voit pas, hein. Là, il m'a perdu. Oh merde, je t'habite, je crois. Ouais, dis, je suis en dédouille. J'ai une clé violette. Ah. Oh, il te course. Oh, il te course. Oh merde. Ensuite on peut y aller ensuite les gars, ok, on pourra s'enfuir. Aaron là il est en train de tuer le. Non mais t'as rien à voir en fait. Bah si le remets KO, ouais. Oh putain. Il a cassé le générateur qui est dans la chaque. Oh merde. Merde. Mais déjà vous, allez baby, we can take one animal. Il a tapé le générateur qui est pas loin de Willow, d'accord. Non, oh, quel chien! Oh, quel chien! C'est un chien de la cave! C'est chiant les lags par contre sur le jeu parce que j'ai pas irrité ma QTO, j'ai pas un excellent. Bon, je peux! Tu me réanimes en 3 secondes! Putain, Willow! Putain! Oh, mais Willow! Je force! Non mais genre il y a deux crochets aussi. Juste à côté, Kian, juste à côté. Fais gaffe, ils foncent presque vers toi là. Tu vois Willow quand il se casse bien loin, tu sais. Willow il va chercher du soin en fait. On termine le générateur puis on t'aide. Sinon les gars il est vraiment parti très loin de moi, donc là vous avez carrément moyen de me sauver. Attendez. J'arrive. Okay. Sinon, il y a un mec qui s'est caché dans un casier. Ne me dis pas que Willow t'es encore caché dans un casier. Il m'a vu. Non, mais Willow, mais je t'ai dit. En courant dans le casier en fait, et que ça a fait un gros bruit. Bon, attends, Enzo, je vais le temps de récupérer rapidement. Ferme la porte là. Je suis sauvé Enzo vu que toi t'as sur la réserve normalement qui aime. Là ou pas? Oui, j'ai sur la réserve. De toute façon, il est trop loin le cœur. Moi j'ai pas sur la réserve, moi j'ai rien pour sauver les gens, donc à part libération peut-être. Kiklé va bien si on enculé. Ouais. Aujourd'hui. Nique ta mère, fils de pute. Nique ta mère. Oui, il m'a vu, fils de pute. Sinon, Enzo, tu pourrais juste. Ouais. On l'a fait la phénix là. Attends, j'arrive, Vibe, t'inquiète. Il a recassé le générateur qui est pas le mec, il m'a même pas prévenu qu'il y avait le tueur, rien du tout. Il s'est juste barré, moi je suis en mode drive, il faut peut-être se soigner. Non, non, apparemment, il est en train de se cacher du tueur. C'est pas content, mais là il revient en fait, donc ça fait vivre. J'arrive, Senpai. Pourquoi il est revenu? What? What? Eh merde. Faut qu'il se fera plus à voir. Non, tonton, il cambraille, viens pas, n'y va pas. Mais non, que je sois dans le casier, t'as vu. Oh merde. Oh mais quel chien. Mais putain. What? Le body block, Brahim. Ok, bah oublie du coup. On est bien sur Brahim. Ah bien joué, merci Brahim. La passe.
Un APS, un APS. Qu'est-ce que le nid? Qu'est-ce que le nid? Pour l'instant, les mecs, je suis en train de faire le jeune là qui était à côté du projet de Brahim. Ouais, et je le fait termine dans 5 secondes. Ensuite, il y en a un qui fait. Ouais, on peut se gêner, il y en a un qui fait un jeune et les autres qui essaient de trouver la trappe parce que j'ai une clé de LED, donc on pourrait se barrer si on veut. Eh merde, Tiliane, merde, putain. Mais quel château de merde, putain, mais c'est incroyable! Moi j'utilise la technique de la fenêtre, j'en ai rien à foutre. D'accord, ça a pas du tout marché, le mec m'a récupéré à 2 mètres. What the fuck? Non mais il était dedans là. Et putain mais tu m'as fait chez moi. Mais le mec il était complètement en train de regarder. Putain en plus c'est la KCG alors j'étais presque, il me restait vraiment 3 secondes pour le terminer. Oui bah ta mère a de faire malin, t'es une pauvre bite. T'as frappé? Oui, il m'a frappé deux fois. Il m'a frappé trois fois. Faites des jeunes. Ah non, attends, il est en train de repartir. Là, il cherche dans les buissons. Je crois qu'il en a une marque, je me cache dans les buissons, je crois. Oui, il me campe le mec à côté de moi va faire des gènes avec sa mère. Le mec à côté de moi, abandonne-moi, il me campe. Willow, arrête d'essayer de sauver Emilio, c'est mon castor. Il est foutu là, regarde la barre de vie. De toute façon, je vais essayer de tuer Willow le plus longtemps possible, j'en ai rien à foutre. Là, il s'est un peu barré de moi, mais je pense qu'il va revenir. Au revoir. Au revoir. Je crois que c'est parce que je lui ai bien cassé les couilles avec les buissons. Je pense que c'est pour ça qu'il est resté. Non, j'ai vu parce que il reste qu'un générateur pour nous à faire et que du coup il peut absolument. Ouais, aussi, ouais, c'est peut-être pour ça. T'avais le problème, c'est qu'il avait perdu Kylian de vue en fait. Vas-y, Kylian essayait de rester debout un peu à côté pour le. Pour l'attirer, bah le problème c'est que. Parce qu'il a quand même perdu de vue, il est revenu sur le jeu direct et forcément je passe la fenêtre, mais le mec arrive avec un coup de marteau chargé. Ouais c'est vrai, j'ai vu la pomme carrément. Alors monsieur Brahim qui s'est fait bien brain. Pour l'instant Willow est sur la gêne les mecs hein. Il est sur le gène dans la cabane. Voilà. Je préviens. Il est loin auprès de moi. Ah bah maintenant tu sais où il est. Non franchement t'as le temps terminé. Attends, attends, il focus Brahim. What the fuck? Ah it's Brain le perk ça. Oh putain. Merde. Ok, tu lèves toi. Ok. Je te dis quand il sera bientôt. Bah, je te dis quand il sera bientôt. Je crois que je viens de t'appeler pour te libérer, enfin pour te relever. Oui, là, elle est indéfectible. Oui. Ah ouais, Ken, là. Vas-y, là Willow va terminer, vous pouvez vous essayer de sauver Wine. Vous essayez de sauver Wine. Ok, bon Willow, t'es où pour te. Willow, il est. Il est. En fait, j'arrive pas à voir où il est. Ah, si, il est vers. Toujours vers la cabane, à droite de la cabane, Kylian. Willow, il est à droite. Bah, tu vois là-bas, là, vers le crochet de Brahim, mais il a. Oula. Vers le crochet de Brahim, alors Willow, il va. Va sauver. Non, ouvre la porte. Ouvre la porte d'abord. Non, non. Ou viens la porte d'abord, genre. Attends. Ouais, t'as raison. Faut essayer de bien ouvrir la porte dès qu'il reste. Pas trop de bas à Brahim, tu vas. Au pire, attends, je te dis que dès qu'il va. Il revient avec la tronçonneuse là. Ouais, bah, rends-le au clou. Ouais, bah, rends-le au clou. Putain, mais malheureusement, le délai Discord, forcément, je peux pas le prévenir avant. Il fait quoi là? Oh le bâtard, il campe. Non, mais il est resté devant. Bon, en fait, là, il est en train de troller. Kylian, bah, le porte. Là, c'est ciao. Elle est où le porte? Elle est là-bas, normalement. Ouais, parce que là il campe cette porte en fait. Il apparaît sur la porte, c'est tout comme ça, mec. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait ce gros con là? Bah, il troll Willow pour la 10ème fois, t'es cool quand je joue. Mais non, mais là, oui, non, mais il troll Willow, mais. Dans tous les cas, ce truc, il pourra même pas. En mode, il troll Willow en mode, vas-y, t'as pas réussi en vrai. Instant-il-toi au cas où, Willow. On sait jamais. Ouvre la porte. Et barre-toi. Attends, j'ai envie de tenter de te sauver juste pour Karma, mais. Non, mais il campe sur moi, vas-y, pars. Ouais, il campe sur Willow en fait, il le troll. Willow en fait, il le troll. Vas-y, pars. Bah, il le prend, t'as vu, il le prend. Vas-y,
Mais il le prend. Attends, ça se trouve, en vrai, maintenant les crochets. Non, mec, c'est impossible, les crochets sur cette map, elles sont beaucoup trop proches. En plus, tu vas, il va vers la cave. Voilà, c'est. Enfin, je débattre à fond, mais je pense que t'as pas le temps. C'est mort. Kian court. Ah, troll 2. Encore une fois, Kian est la personne qui n'a pas été accrochée une seule fois et qui va encore se barrer tout seul. J'avoue. Mais le problème, c'est comme j'ai dit qu'à un moment, Kian, le tueur l'a perdu de vue et il a foncé direct sur le gène. Vas-y, pars. En fait, Kian, vraiment, ok, putain, c'est tueur. Parce que là, à force, mec. Qu'est-ce qu'il brûle? Il avait un gardien du sang. Mais tu fous quoi, gros? Ouais, gros, il a gardé un méchant qui peut pas partir. Putain, ça m'énerve. En fait, je voulais le tirer parce que lui, il joue comme un enculé là, à ce coup de ta gueule, mais bon, bah voilà. Mais qu'est-ce que t'as branlé? Mais je pouvais pas. Mais Enzo, il a le gardien du sang. Ah, il avait la perte du truc bourré là. Oui, en gros, quand il accroche quelqu'un, bah du coup, les portes se ferment pour la. Mais attends, mais pourquoi c'est pas actif? Enfin, pourquoi elle pouvait pas se voir avant que Brahim était déjà accroché depuis longtemps? C'est que quand j'ai fait accrocher, c'est quand les portes sont ouvertes que ça marche. D'accord. Pourquoi la seule fois que j'ai envie de narguer un mec, c'est un connard quand même, parce que là, on va pas se mentir, on a eu. C'est vous que c'est père qu'elle est un peu. Ah, il te laisse t'en faire, non? Non, pas du tout. Ah non, c'est attends, il te. Pas du tout. Non, il va m'accrocher. Non, il troll juste en fait, tu vois, c'est le plus gros trolleur du monde. D'ailleurs, il est juste trollé, Non, mais franchement, je me serais barré s'il avait pas de petit bac, mais là, par contre, c'est vraiment un salaud. Regarde comment il se moque là. Je vous dis en vrai, c'est père qu'elle est dangereuse. Hein. Mais qu'est-ce que c'est pas ouf, hein? Où il sort un gardien du sang, mais qui était plus. Mais regarde, quel comment il se moque, les mecs, dès que le tech n'est pas barré. Parce que franchement, j'aurais pu me barrer, mais là, je voulais juste le T-Bag parce que le mec, il était en train de nous T-Bag. Bah, écoute. Mais en tous les cas, le jeu, il a posé comme si tech n'était pas barré. Le mec, je pense qu'il s'en bat les couilles, il va faire, bah, il s'est pas barré, mon mec. Ah, bah ouais, il avait chez barbecue. Mais attends, t'es bien plus. C'est pour ça qu'il venait direct. Il avait que des perks, mec. Attends, il avait tué. Non, mais du coup, c'est la fin du live, quoi. La perk qui fait bloquer les portes, c'est gardien du sang, non? C'est ça? Ouais, c'est gardien du sang. Enzo, du coup, c'est la fin du live, hein. Bah ouais. On s'est fait niquer. Termine ton live. J'ai voulu mettre un karma à un mec parce qu'il était en train de se foutre de la gueule de Willow. Mais je te rappelle que karma est beaucoup trop puissant. Il savait pas de mettre des karma aux gens, parce que lui-même il essaye. Ce qu'il a essayé de mettre un karma, il va karma le mec qui a voulu essayer. Moi d'habitude, je t-bag pas les tueurs, mais sauf que ce mec en fait c'était un salaud parce qu'il t'a t-bag juste parce que t'as essayé de te barrer. Je sais pas, t'as le droit quand même de te barrer. Ouais, j'avoue. Bon, du coup, les gars, c'est la fin du live. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, follow la chaîne Twitch, likez la vidéo, commentez, partagez, clochez. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. Dites au revoir. Au revoir. Pardon, gars, on pourra prendre le trop banque demain et puis voilà, c'est pas grave. Portez-vous bien, je vous dis, game over.